fin de contre Ward. Plus de semaine, plus plus. Fin de tir. Et le but! Ok, Val Veilleux. Veilleux, belle montée. Coupe par la plaisir. Et le but! Gilbert Veilleux! Ainsi seul, encore une fois. Il va de la même fin. Et cette fois-ci, il réussit à marquer. Olivier! C'est. Tire le but! C'est échappé. Dans le quartier. Et le but! Quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à La Source LNEH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit spécial pétrolier. On reçoit Excusez-moi. spécial brigade défensive des pétroliers, Dominique Talbot-Tassi et Jonathan Narbonne. Messieurs, comment ça va? Salut Seb, ça va bien? Salut Dave. Ouais, si je suis capable d'aligner deux mots d'affilée, ça va bien aller. Ouais. Content de t'avoir avec nous pour l'épisode au complet aujourd'hui, François. Ben, ça fait plaisir d'être là. Ça a été une grosse semaine. Ça a été une semaine. Disons, les pétroliers ont fait les manchettes dans la Ligue cette semaine. Fait que je pense que c'est une bonne bonne semaine. Puis je suis toujours content de participer avec vous autres. Ouais. C'est vraiment le fun. Vous êtes une bonne gang. Fait que... Merci d'être là. François, les étoiles sont alignées. François Riopelle est avec nous. Ça tombait que c'était spécial pétrolier. Ouais. On a eu des bons matchs là, le week-end dernier. On va pouvoir en parler. C'est un match, oui. Oui, un en particulier qui était. On commence à en parler tout de suite ou. On peut faire le lien si on pourrait commencer, mettons, direct avec les trois étoiles de la semaine. Je pense que ça ferait un beau lien avec ce match-là. Ouais. Donc, les trois étoiles de la semaine, il y a du pétrolier, là. Oui, du pétrolier en masse. Donc, Danick Paquette. Qui a 2 buts, 5 passes, mais si, à moins que je me trompe, je pense que ça a tout été amassé dans le. Même chose que Nicolas Poulin, là, dans le fond. Oui, oui. Ça a tout été amassé dans le match de jeudi. Donc, 7 points pour Danick Paquette. À moins que je me trompe, là, je suis pas mal sûr à 99,9%, là, mais c'est sa meilleure performance dans un match en carrière dans la Ligue nord-américaine. 7 points dans un match. Plus 12 aussi que j'ai vu là, sur la page des pétroliers. Donc, vraiment une soirée de rêve, comme on dit. Mm. Un peu même chose pour Nicolas Poulin, 4 buts, une passe. Il a passé très près aussi de marquer son 5e puis d'égaler André Bouvet-Morisset cette année là, pour le plus de buts dans un match. Donc, ça, il mérite la première étoile. Puis mentionner aussi Tristan Bérubé, une victoire avec 943 pourcentage d'efficacité. Bérubé aussi qu'on. On peut peut-être en parler là, si on parle du match des Marquis, mais je pense qu'il est en train de se distancer un peu à Jonquière comme le gardien qui serait plus identifié comme numéro 1 à surveiller. Mais revenons sur la performance de la semaine, là, François. Je pense que tu étais aux premières loges. Je ne sais pas si ta voix a récupéré depuis. C'est pas mais... ça, ça sent bien, c'est pas si bien. Pour vrai, en regardant la game, ce que je n'en revenais pas, là, c'est que tu es rendu genre 8, 9, 10, 11, puis à chaque but, t'avais toujours la même intensité, ça bougeait pas d'une note. Je te disais, le dernier, je l'ai laissé un petit peu parce qu'il restait 10 secondes. Mais tu sais, ce qui a été le plus difficile là-dedans, c'est parce que tu le fais, David, vous savez un peu c'est quoi les boys. Tu sais, décrire un match, c'est tu racontes une histoire, tu essaies de mettre une histoire sur les images qui sont présentées. Puis t'essaies de mentionner c'est quoi les enjeux du match, c'est quoi le, tu sais, qu'est-ce que les équipes veulent. Après une période, c'était 6-0, j'ai regardé Benoît Deschamps qui était avec moi, j'ai dit, là, comment qu'on vend ça le reste du match, là? Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire rendue là? Ce qui était le fun, c'est qu'au moins, les bâtisseurs sont revenus un peu dans le match en deuxième, ils ont marqué 3 buts contre 1, tu sais, ça a été, ils ont gagné à deuxième, comme on dit, mais après ça, en troisième, ça a juste, la chaîne a débarqué après, là, c'est ça. Ouais, la chaîne a débarqué. Mais tu sais, je pense qu'on a quand même réussi à maintenir quelque chose de, tu sais, maintenir un certain intérêt, puis tu sais, c'est quand même d'essayer d'être, de rendre ça intéressant aussi, parce que tu sais, en même temps, tu sais, c'est plate, là, un match de 14-3, c'est le fun, surtout quand t'es partisan de l'équipe locale, mais quand t'es un partisan
pas juste de l'équipe adverse, mais de n'importe quelle autre équipe qui, tu sais, on est un jeudi soir, il n'y a pas d'autres matchs, fait qu'il y a beaucoup de partisans des autres équipes qui regardent, ça devient un peu moins intéressant en même temps. Fait qu'il faut essayer d'en mettre un petit peu plus, puis d'essayer de garder tout le monde dans le match. Mais c'est pas, j'en ai pas fait beaucoup des matchs à haut score comme ça. Ça a été spécial. Mm-hmm. Ouais, j'imagine pas. J'imagine, mais le pour vrai, tu m'as impressionné honnêtement parce que tu sais, moi je pense à ça parce que des fois j'en décris des matchs à Saint-Rétraci, puis je t'écoutais, puis j'étais comme, man, je serais pas capable à 9, 10, 11, je serais pas. Même si c'est mon équipe, tu fais pour les pétroliers, même si c'était, mettons, Saint-Rétraci, genre, j'étais comme, man, je pense pas que j'aurais été capable de garder le même entrain, mais c'était une bonne leçon aussi de. T'apprends aussi quand tu fais ça. Non, c'est ça. Puis je dirais que ce qui a aidé à rester là-dedans, c'est la foule. La foule des pétroliers veut pas, là, quand ils tombent, puis je veux dire, le toit lève, même à rendu au 13e, 14e but, c'est plus facile d'être un peu plus dedans. Si ça aurait été 14-3 pour Montcalm, je sais pas si ça aurait été le même. J'aurais gardé la même intensité. J'ai essayé, là, puis je veux dire, même en deuxième, je l'ai fait. Je le fais toujours pour les deux équipes parce que je me dis toujours on diffuse pour toutes les équipes. Là, fait que c'est pour ça que j'essaie tout le temps d'être quand même assez égal de chaque côté. Mm. Mais ça aurait été le score contraire, je ne sais pas si j'aurais eu la même énergie parce que on se laisse beaucoup apporter, puis je me laisse souvent apporter par la foule locale parce que ça donne une énergie de plus. Ou des fois aussi, je veux juste parler plus fort pour essayer que le monde m'entende parce que la foule, des fois, est forte sur le broadcast. Là, mais non, c'est ça. Mais on parle de la description, le score était un haut pointage. Dans les dernières semaines, on a dit que les bâtisseurs avaient eu des blessés, tout ça, mais il doit y avoir aussi un peu que les pétroliers, si on regarde au classement, sont en première place là, en ce moment. Ouais. Ils ont joint tout un match. On s'est rendu à ce score-là, il faut rendre à César ce qui appartient à César aussi, là. Ben oui, faut pas penser que c'est sûr que il y a des raisons qui expliquent peut-être les déboires que les bâtisseurs avaient, parce que c'était la quatrième défaite consécutive, je pense qu'il y avait quelque chose du genre. Puis tu sais, il était quand même haut dans le classement à un certain moment, là, il avait descendu. Puis oui, le manquement défensif, peut-être les contre-performances des gardiens ont expliqué, mais faut pas enlever, là. Je veux dire, c'est pas. Même avec une brigade défensive qui a de la difficulté à Montcalm, c'est quand même 5 points de Nicolas Poulin, c'est quand même 4 buts, presque 5. C'est 7 points de Danick Paquette, c'est 5 points de Madison Hour. Un de nos invités, notre premier invité, Dominique Tabatassi, qui en a eu 4 aussi. C'est une grosse. Tu sais, les défenseurs ont quand même performé. Matthew Medley aussi, 4 points. C'est un gros travail d'équipe. Je regarde vite, là. Il y a 5 joueurs, 5 patineurs qui n'ont pas eu de points dans ce match-là. Puis il y en a deux même qui ont failli en avoir, là, on pourra en reparler, là. Jean-François Lafrance et Derek Parker qui ont eu quelques présences régulières en troisième période. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est un gros. C'est une grosse performance d'équipe. Mm. Puis quand on rentre aussi au vestiaire, on se dit elle est bonne pour les stats, ça. Oui, ça engraisse. C'est bon pour engraisser les statistiques, ce genre de match-là. Oui, c'est clair. Mais tu sais, c'est quelque chose quand même. Tu sais, faut penser, il y a ce match-là, il y en avait un autre le lendemain aussi. Puis, exact. Moi, pendant le reportage, je parlais avec Benoît Deschamps, mon analyste, puis il me disait, tu sais, un match de 14-3 ou un match de 2-1, c'est 2 points quand même. Faut mettre ça de côté, puis faut reprendre ça. Puis on l'a vu parce que le lendemain, c'est Montcalm qui a gagné 5-3. Donc, ça aurait pu facilement être un autre beaucoup à pas beaucoup le lendemain. Ouais. Ça aurait pu être. C'est du. Comment je dirais? C'est le. Pas le momentum, un peu de momentum, mais tu sais, c'est un peu facile de dire ils sont tombés dans le piège, mais dans les faits, c'est quoi qui s'est passé dans ce match-là? Tu parles dans le match de jeudi ou de vendredi? Ben, la défaite de 5-3, là, tu sais, ben, on parle... Je pense qu'il y a probablement eu un peu d'excès de confiance, oui.
Mais en même temps, il y a des joueurs, premièrement, il y a des joueurs qui sont venus, je pense que, est-ce que j'ai vu? Philippe Charbonneau qui n'a pas joué jeudi, qui a joué vendredi, déjà ouais, là, ça exactement. Fait une bonne différence dans la défensive de Montcalm. Mm-hmm. Ouais. Je pense aussi que Montcalm s'est ressaisi, là. Montcalm se devait de, puis je pense que ça fait du bien à la Ligue que Montcalm ait rebondi aussi, puis Montcalm se devait de rebondir en tant qu'équipe, là, parce que je veux dire, dans le vestiaire... T'sais, on n'est pas dans le vestiaire, là, mais les visages devaient être longs jeudi soir. Puis je pense que quand on est arrivé au au match vendredi, il ne devait pas avoir personne qui avait envie de rire là, à Montcalm. Puis tout le monde devait être sa job en tabarnouche vendredi là, parce que ça va maudit qu'il s'était fait humilier la veille. Ouais. On a voulu montrer qu'on avait de la fierté. Là. C'est ça, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui s'est passé. Puis tu sais, le fait que Montcalm a frappé tôt, là, 3 minutes 5, le premier but. Je pense que ça a aidé là-dessus. Puis, tu sais, le but est marqué. Puis, ça, c'est une chose que j'ai mentionné à Benoît aussi jeudi. But qui est marqué par Maxime Guyon. Moi, ce que j'ai remarqué dans le match de jeudi, c'est en troisième période, même la deuxième, tu sais, à chaque présence jusqu'à la fin, à chaque fois que des joueurs comme Maxime Guyon, comme Benjamin Lagarde, comme Zachary Gravel, ces joueurs-là, là, donnaient. Tout, c'était eux autres dans leur tête, c'était c'est pas vrai qu'on va continuer à se faire humilier, c'est pas vrai qu'on va s'écraser après ça. Puis ils jouaient comme si c'était 2-1 toujours. Il y avait de l'intensité, il y avait. Puis je pense que c'est peut-être ça qui a aidé parce que c'est justement Guyon, Lagarde, Gauthier qui sont sur le premier but. Fait que je pense que c'est cette performance-là a probablement donné un peu des ailes là, aux bâtisseurs. Puis tu sais, c'est le fait de dire là, on va pas en perdre 3 de suite contre eux autres, puis surtout pas après la défaite de jeudi. Je pense que c'est un peu tout ça là, qui a mené au score de 5-3. Ouais, tu parlais du 2-1. Je pense que Laval aurait une meilleure chance de gagner vendredi s'il avait gagné 2-1 jeudi. Ben, possiblement. C'est très possible. Ouais. J'aimerais peut-être juste aller peut-être quelques salutations là, en début de show. En pensant un peu à parler de la game. Là, mais... on salue Stéphane Bailey qui dit salut les boys. Danny Charette qui dit salut les boys. Mon émission préférée de la semaine. Félix Delair qui dit salut David et François. Mais pas salut à toi, Félix, de ma part. Jérôme Rien qui dit bonjour les boys. Karine Paradis, bonsoir les gars. Martin Delan, salut à vous trois. Stéphane Godet qui dit salut les boys. Dominique Royer également, salut les boys. Jean-Paul Veilleux qui nous parle un peu de justement qui nous parlait des parties là, de pétrolier. Montcalm disait qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de parties comme ça de la part des bâtisseurs. Je parle de la partie de jeudi. Donc, c'est sûr, on peut dire Jean-Paul qui se sont bien repris le lendemain. Là. Mais tu sais, avec, je pense que. Les blessés en défensive reviennent, puis les nouveaux joueurs, Charbonneau puis Sylvestre, prennent leur air d'aller. D'après moi, ils devraient moins en avoir. Mais ça, je voulais dire aussi, tu sais, l'adage, là, les meilleurs doivent être les meilleurs aussi dans une partie. Puis je pense que c'est peut-être doublement vrai pour une équipe comme les Bâtisseurs. Sinon, si on fait le tour là, des nouvelles, le courant d'échange ou de signature, il y a eu deux suspensions. Les deux sont comme arrivés ensemble parce que c'était la même altercation. Là, David Massé qui a été suspendu un match pour avoir donné un coup de tête pendant un combat. David Auger qui a suspendu deux matchs pour être ressorti du banc des pénalités. Puis je pense qu'il y avait une pénalité d'agresseur aussi. En tout cas, ça fait deux matchs les deux ensemble. Mais ça m'a fait très ça parce que t'sais, ça fait tellement longtemps que je suis cette ligue-là. Puis au nombre d'affaires qu'on voit depuis les 20 dernières années, tu dis tout le temps comme j'ai tout vu. C'est sûr qu'il n'y a rien qui peut arriver que j'ai pas déjà vu. Ben, je me rappelle pas la dernière fois que les deux gars se soient battus deux fois sur la même séquence que le gars rentre dans le banc des pénalités puis il ressort 10 secondes après pour aller se rebattre avec le même gars. Ces deux-là se cherchaient depuis jeudi. Là. On le voyait, là, jeudi, là, les deux étaient toujours un à côté de l'autre. Il y avait du back and forth entre les deux, puis c'était sûr que c'était pour exploser vendredi. Là, donc, c'est pas exactement une surprise. Non, c'est ça. Puis, c'est peut-être une surprise de voir jusqu'où ça a été, mais de voir qu'il y a quand même eu altercation entre les deux, là, c'était.
Ben, tu sais, le premier combat avait comme pas trop... si, mettons, il était tombé vite, là, il y a comme pas trop eu de coup de poing. Puis, en tout cas, Massé a fait signe à Auger en revenant au banc. Puis, je pense qu'il n'avait pas encore pu laisser aller leur animosité suite au premier combat. Puis, ils n'ont pas voulu attendre 5 minutes pour leur faire une deuxième fois. Alors, en tout cas, ça m'a fait sourire comme séquence. Ça a fait un bon show, comme on dit. Merci. Sinon, y a-t-il d'autres nouvelles qui avaient retenu votre attention? Ben là, je pense qu'on va pouvoir peut-être enchaîner là, avec le début d'entrevue, ouais. Mais il y a de quoi que je veux absolument parler parce que c'est le fun, puis parce que ça fait jaser là, les commentaires de Bobby Barry sur les 3L, là, donc le petit back and forth, aller-retour qu'il y a eu avec Fabien Dubé là-dessus. Fait que on en parlera tantôt là, pour ceux qui. En tout cas, c'est assez croustillant là, pour ceux qui ont pas vu c'était quoi. Fait que restez jusqu'à la fin des entrevues. On va pouvoir jaser de tout ça, tout le monde ensemble. Mais c'est ça, c'est du bon marketing. Le prochain match entre Tedford et Rivière-du-Loup. À présent. Good. Sinon, on y va avec notre invité. Yes. Good. Salut Dominique, ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Yes, tu étais dans la salle d'attente, là, puis on parlait, c'est comme si on parlait de toi un peu, on parlait de ton équipe, puis tu ne peux pas rien dire, fait qu'on va commencer ça léger. On t'a dit comment ça va maintenant, peux-tu nous parler un petit peu de ça? Ouais, le 14-3. Ouais, ben ouais. Ouais. On commence fort. Ouais. Comme vous l'avez dit, là, c'est une game qui est bon pour engraisser les statistiques, mais c'est sûr que c'est pendant que tu joues, tu ne penses pas nécessairement à ça, là. Tu penses juste à gagner le match, mais à un moment donné, tu ne veux pas tomber non plus dans l'arrogance, là, parce que tu ne veux pas, si je me mets à la place des gars l'autre bord, là, ça ne devait pas être même le fun, là, c'était humiliant un peu, mais on avait quand même notre game à jouer, là. Il y a du monde qui se sont déplacés, puis il fallait qu'on donne un spectacle. Fait que, non, je pense qu'il était temps qu'elle finisse la game et qu'on passe au lendemain. Puis on a vu qu'ils ont quand même démontré du caractère, de la fierté. Puis nous autres, on est arrivés pas au top de notre game. Puis c'est eux autres qui ont gagné. Fait que, on aurait pu gagner 50-0 la veille, mais le lendemain, si t'en vas perdre, t'es pas plus gagnant. Là, mm-hmm. Ouais. Yes. Puis dans le fond, quand on parle là, parler un peu de. Puisqu'on est là-dedans, là, ton début de saison à toi, tu avais mentionné là, dans une entrevue quand tu as signé à Laval cette année là, que l'année passée, tu trouvais que tu n'étais pas arrivé en forme, même si tu jouais mieux dans les séries que tu as dit, là, mais que tu voulais arriver en forme cette année, puis pouvoir voir ce que tu es capable, ce que tu peux te donner là, dans cette ligue-là. Je voulais savoir comment est-ce que toi, tu trouves ton début de saison. Trouves-tu que, dans le fond, tu as un peu rempli cette promesse-là ou que tu as encore une progression à faire? Là. Ben, c'est sûr, il y a toujours une progression à faire, là, mais comment tu vois ton jeu puis la saison? C'est un peu là où je vais en venir. Ben, j'ai rempli la promesse d'arriver plus en forme, mais j'ai jamais nécessairement été un gars de première moitié de saison. Là. Je sais pas pourquoi on dirait que j'essaie toujours de jouer au même niveau que je l'étais, mettons, dans les séries, mais ça marche pas nécessairement comme ça. J'ai de la misère à garder les choses simples en début de saison quand que l'exécution n'est pas nécessairement là pour tout le monde, des nouveaux joueurs, s'acclimater à tout ça. Fait que, des fois, j'ai tendance à compliquer la game, puis il faut juste que je me rappelle de chaque chose en son temps. Mais non, je suis arrivé un petit peu plus en forme. J'ai quand même un bon début de saison dans l'ensemble. Mais oui, c'est sûr que je peux faire mieux. Puis, on peut toujours faire mieux. Une question aussi à propos de ça, on en a parlé un peu, ben, nos intervenants peut-être dans les autres semaines, le calendrier comparé à l'année dernière, on a eu un arrêt là, l'année passée, puis quand on a eu la reprise, on a eu vraiment joué beaucoup de matchs, là, des deux matchs, des fois même trois, je pense, là, à la fin de la saison. Cette année, parfois, c'est un match la fin de semaine, justement, de reprendre notre beat. Maintenant, est-ce que c'est dur là, pour les joueurs de votre côté? Là? Mais je ne sais pas, peut-être que on a quand même des gars dans l'équipe qui sont assez vieillissants en âge. Là, fait que peut-être qu'eux autres, ils aiment ça, d'avoir un plus long repos. Mais mettons, moi, pour ma part, là, ça m'aidait quand même de jouer plusieurs matchs. C'est ça qui me mettait dans le game, c'est ça qui me remettait en shape. Fait que
je trouve ça quand même difficile de jouer des fois 2, 3, 4 semaines à une game par semaine. Je trouve que, mettons, t'en joues une mauvaise, là, ben, tu sais, moi, je suis un gars qui overthink un peu. Fait que, mettons, j'en joue une mauvaise, mais là, toute la semaine, tu sais, je pense à cette game-là qui a été ordinaire. Puis, j'ai juste eu une autre game pour me reprendre. Là, si celle-là est mauvaise aussi, ben là, tu traînes ça longtemps. Tandis que quand tu as des games back-à-back, ben, tu peux te reprendre le lendemain. Fait que, c'est plus facile à oublier, puis c'est plus facile de se remettre dans la game. OK. Good. All right. Donc, moi, si on parle un peu de ton arrivée là, dans la Ligue nord-américaine, je sais qu'en suivant Sorel, je sais que tu es un joueur qui était sur la liste de Sorel, qui a été courtisé quand même longtemps avec Sorel. Sorel a aimé ça pour pouvoir t'avoir. Puis là, dans le fond, tu avais été échangé l'année dernière à Laval. Puis je voulais savoir un peu qu'est-ce qui avait fait que, après ce temps-là, dans le fond, tu te sentais prêt de rentrer dans la Ligue nord-américaine puis de partir dans cette aventure-là, justement, là, puis de joindre cette ligue-là. Mais tu sais, moi, pour être 100% honnête, là, tu m'aurais demandé là, peut-être 3, 4 ans, 5 ans si j'allais jouer dans la Ligue nord-américaine, je t'aurais dit jamais de la vie. T'sais, j'avais comme un. La Ligue, je trouve qu'elle a comme une mauvaise image, puis c'est en train de changer, puis je suis vraiment content de ça, parce que tout le monde qui apprend à connaître la Ligue se rend compte que c'est du méchant beau hockey, puis des astuces de bons joueurs, il y a de l'intensité, tu sais, ça. Moi, je trouve que ça joue la game comme qu'elle devrait jouer, même si je suis pas nécessairement un gars qui joue physique. Je trouve que c'est une belle game de hockey, puis fait que dans l'ensemble, moi, je suis super content du move. Là, le move de pas être allé à Sorel, c'est... Tu sais, j'en ai parlé à Christian, là, c'est... Moi, j'ai que entendu du bon par rapport à Sorel, fait que j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Puis d'autres joueurs qui me demanderaient, hey, je devrais-tu aller à Sorel? Tu sais, j'ai un de mes chums, Sam Labrec, qui est à Sorel, puis il m'avait écrit au début de la saison, puis j'ai dit, je suis sûr que tu vas aimer ça là-bas, j'entends juste du bon. Fait que moi, c'était carrément juste que j'étais pas prêt à m'investir à 100% côté voyagement. Puis là, tu vas dire, oh, il y en a, tu sais, qu'il voyage 8 heures. C'est good, tu sais, pour eux autres, tant mieux. Moi, je n'étais pas prêt à le faire. Je sais que tout le monde travaille. Il y en a qui ont des enfants, tout. Moi, je travaille, j'ai pas d'enfants. C'est comme si j'ai pas vraiment d'excuse de dire ça. En même temps, moi, c'était vraiment ça. Je n'étais pas prêt à monter les mercredis pour aller travailler. C'est un commitment. Puis là, après ça, mettons, Christian dit, mais tu es obligé de monter à toutes les pratiques. Je me disais, ouais, mais tu sais, quel genre de joueur, je sais pas, là. Tu présentes pas aux pratiques, tu présentes pas juste au game. Tu sais pas à quel point les gars t'acceptent dans le vestiaire. Que, non, je préférais juste dire à Christian les vraies choses. Puis il dit, moi, si je joue dans cette ligue-là, ça va être proche de la maison. Puis, en plus, mon frère, il goal pas régulier. En fait, il goal pas à Laval, mais il était là, à toutes les pratiques. Puis, c'était le fun de pouvoir retourner sur la glace avec mon frère. Puis, j'ai des chums qui sont à Laval. C'est carrément juste ça. Suite à ça, tu as fait partie, là, Yannick Tufi qui a dit ça l'année passée, là, l'échange lance et compte là, de la ligue. Parce que Bilodeau, dans le fond, il revenait de la game contre Sorel dans Van avec Laval, puis il a reçu l'appel. Puis là, toi aussi, j'imagine, tu as reçu l'appel. Puis dans le fond, tu avais joué le lendemain ce match-là. Tu avais compté d'ailleurs ton premier but dans la Ligue nord-américaine à ce match-là. Comment est-ce que tu as vécu ça, là, justement, là, de te faire échanger, puis de jouer ton premier match contre Sorel à maison, puis d'embarquer là-dedans? Comment est-ce que tu as vécu ça, mettons, ce 24 heures-là? Ça a dû être quand même assez le fun. Ben, encore une fois, là, pour être honnête, là, je cherche mon stock en premier. Je savais pas, il était où. complètement out of shape. J'avais pas mis les patins, ça fait je sais pas combien de mois. J'ai dit, hey boy, man, dans quoi je m'embarque? En plus, je suis contre Sorel, je me dis, oh, ça sera pas ma meilleure game. Puis j'étais gêné un peu aussi parce que je trouvais que ça faisait princesse là, de dire ben non, moi je vais pas. Puis je suis pas ce genre de gars-là, je suis pas ce genre de joueur-là, mais de jouer contre Sorel. En plus, je score. Je me suis mis un peu de pression, comme le gars il score à toutes les games, mais je suis pas ce genre de ouais, ouais, ça a été deux des bonnes stats en playoff, mais ça a été ton seul but en 16 heures ouais, de l'année passée. J'avais dit au monde, habituez-vous pas à ça. Là. Moi, je suis pas essayé de scorer. Je me rappelle, on l'avait dit sur le podcast pétrolier. Je pense qu'on t'a reçu la semaine après, le mercredi d'après. Je pense que c'est ça que tu avais dit. Je pense qu'on a fait
Je me rappelle plus le parallèle qu'on avait. On avait-tu fait le parallèle avec Ryan Poehling quand il avait commencé avec une affaire de même, là? Ouais. J'aimerais ça échanger mon salaire avec Poehling, mais non, mais... Ouais. Mais non, c'est ça, j'ai dit fuck. J'imagine me mettre de la pression là, en scorant même. Le monde va être déçu parce que je sais pas ça va être quand mon prochain. Ok. Ouais. Ben là, ton prochain saison régulière, c'était jeudi passé dans le. Ouais, c'est ça, mais je suis en train de me dire, Calic, vas-tu scorer cette année? Puis là, ben, 14-3, si tu scores pas. Là... Non, c'est une flèche aux gars qui n'ont pas scoré. Mais non, j'étais bien content d'avoir au moins un but cette année. Mm-hmm. Mais quand même, tu sais, on en parle de tes séries, là, ça a bien été. Là, puis je pense qu'il y a eu peut-être la blessure à Medley aussi qui a fait que tu as eu plus de glace. Tu as eu 3 buts, 8, ou combien? 3 buts, 11 passes? 3 buts, 8 passes, 11 points hein, en série? Je sais pas, mais... 3 buts, 8 passes, ça, 11 points en 15 parties. Ça a bien été là, dans les séries en général aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire peut-être sur le parcours là, des pétroliers l'année passée en série? Je rajouterais aussi juste un petit bémol à cette question-là, peut-être aussi sur la défensive en tant que telle, parce que je me rappelle, puis c'est un peu le cas aussi cette année, là, mais les défenseurs des pétroliers marquent beaucoup de buts, de loin ceux qui en marquent le plus dans la ligue. Fait que peut-être un peu nous parler du parcours en play-off, puis un peu de la dynamique de la défensive à Laval, là, justement, pour qu'ils marquent beaucoup de buts comme ça. Ben, je pense que d'autres, il y a un mot d'ordre pour nos défenseurs, puis nos attaquants. On a une bonne offensive, mais s'ils n'ont pas le puck, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Fait que, nous, le mot d'ordre, c'est de relancer l'attaque le plus rapidement possible. Puis on a quand même une défensive assez offensive, axée sur l'attaque. Fait que, pour expliquer comment ça a débloqué en série, je pense après les fêtes, j'ai commencé à jouer avec Yann Sauvé. Puis c'est un gars. Moi, j'ai besoin de jouer avec un gars qui bouge, qui est offensif parce que. Je vois Dan Pocket. J'ai besoin de jouer avec un gars qui bouge parce que je suis un gars qui aime distribuer la rondelle. Je ne suis pas nécessairement un gars qui va patiner d'un bout à l'autre avec. Okay. On avait une belle chimie ensemble, on se complétait bien. Puis, c'est tout un joueur de hockey. Là, fait que, ça a certainement facilité les choses. Mais sinon, les 6-7 défenseurs qui ont été impliqués dans les séries l'année passée, tout le monde a bien fait. Puis, tu sais, je veux dire, c'est à l'image de l'équipe. L'équipe va bien, tout le monde paraît bien. Puis, c'est ça. On avait une belle équipe. Puis je pense que cette année, on a encore une, je ne veux pas dire une meilleure équipe parce que ça serait chiant pour l'année passée. Mais je trouve qu'on a appris de peut-être nos. Je pense que ce qui nous a fait mal l'année passée, c'est peut-être notre vitesse. On est Pelletier qui s'en mêle. Il est à l'écoute, lui aussi. Oui, oui. On va en parler de lui tantôt. c'est bon. Non, mais tu sais, je trouve que ce qui nous a fait mal, c'est la vitesse. On a manqué peut-être de vitesse en finale contre Tedford. Puis l'équipe a fait une belle job d'aller améliorer cette facette-là de notre jeu avec les jeunes là, qui sont rentrés. Puis, je pense que c'est ça. Puis si tu regardes notre défensive, là, on est des gars qui. Tout le monde patine, ça bouge le puck. Puis, Penses-tu que vous êtes mis un peu de pression parce que le mot d'ordre, je pense, c'est pas mal tous les joueurs des pétroliers qui ont fait partie de la finale justement l'année dernière, c'est que quand ils sont arrivés cette année, c'est que cette année, il faut finir la job et que cette année, c'est un peu la coupe, quasiment la coupe ou rien. C'est un peu ça qu'ils laissaient sous-entendre là, quand on entendait pas mal tous les joueurs. Là. Je pense que c'est le but pour toutes les équipes là, de gagner la coupe, mais définitivement, qu'en se faisant sortir en 4 en finale, ben, t'as comme un goût amer, là, tout l'été, tu collines, mais ouais, ça paraît pas bien. Mm-hmm. Je pense qu'on a vraiment les éléments qu'il faut à Laval. C'est juste que, tu sais, quand t'arrives dans les playoffs, faut que tout fonctionne en même temps, parce que toutes les équipes sont bonnes dans cette ligue-là. Il y a peu d'équipes, fait que le talent, il est pas trop dilué. Il y a une belle parité, puis cette année, c'est incroyable. Les équipes, tu perds une fin de semaine, tu te ramasses dernier, tu gagnes une fin de semaine, tu te ramasses premier. Okay. C'est super cool, honnêtement. On a une belle compétition dans la ligue, mais
Oui, le mot d'ordre cette année, c'est de, pas juste d'aller jusqu'au bout, mais c'est de gagner une série. Yes. Je voulais peut-être parler un peu de ta carrière. Je regardais un peu tes statistiques. Quand même, un fait là, impressionnant. Tu as joué dans le M18, ben, le Midget 3, à 17 ans là, avec le Phoenix. Puis, tu as rebondi quand même là, à 18 ans là, dans la LHJMQ. Puis, c'est le choix d'être dans cette ligue-là à 17 ans quand même, là, c'est impressionnant. Oui, puis je pense que c'est ce move-là qui a fait que j'ai... C'est ce qui m'a permis d'atteindre le junior majeur. Parce que moi, à 17 ans, mon choix, c'était d'aller jouer collégial. Puis ça se serait probablement terminé c'est comme bien d'autres joueurs. Là, puis, mais Donald Odette, qui renaît cette équipe-là, quand moi j'avais 17 ans, Midget 3, son gars était là, puis il m'avait appelé pendant l'été, il dit « Garde, on a la chance d'avoir une super bonne équipe, Midget 3, puis ça serait peut-être bon pour toi aussi de vivre une deuxième année avec une équipe gagnante. » Parce que moi, l'année d'avant, j'étais Midget 3, puis je pense qu'on avait fini dernier, fait que c'est sûr que c'est plus difficile de se faire valoir dans ce temps-là. Puis j'ai dit « Ben, écoute, oui. » Puis là, il m'a dit « T'as géré en tant que leader pour nos jeunes, puisqu'on avait des bons jeunes avec beaucoup de potentiel. Tu regardes ça, la majorité ont été repêchés dans le national, puis on avait une méchante belle équipe. On dit, tu vas agir comme capitaine, puis tu vas avoir des belles responsabilités de leader. Puis je dis, ah, let's go. Ça m'intéressait vraiment, puis finalement, ça a été, je pense qu'on a perdu deux games cette année-là, puis on s'est rendu à la Coupe TELUS. Ça s'est fini tragiquement, là, cette finale-là, mais, tu vois, après ça, je te dirais que c'est grâce à Donald Odette, encore une fois, que j'ai été repêché à Sherbrooke dans l'équipe d'expansion. Puis Donald, il croyait en moi. Fait que, tu sais, je ne sais pas, je ne vais pas mettre des mots dans la bouche de personne, mais je pense que c'est lui qui a forcé la main des dirigeants du Phoenix de me prendre. Tu avais été un choix de 10e ronde au préalable des Voltigeurs. Tu avais joué, là, je pense, une partie... là. L'année que tu as été avec le Phoenix, là, je t'en ai dit ça. Oui, j'avais joué dans le temps des fêtes. Écoute, quand je me suis fait repêcher en 10e round, il y a des équipes qui passaient. We're not gonna draft a tap. D'un autre côté, si l'équipe a drafté en 10e round pour te prendre toi, c'est parce qu'elle te voulait, parce qu'elle aurait pu faire comme toutes les autres. Oh, ouais, ouais. Ouais, écoute, non, mais honnêtement, là, j'étais au draft, puis quand ils m'ont drafté, c'était comme si c'était la première ronde. Là. Ma famille est sautée dans les airs. On était tous là. Nous autres, ma famille est super c'est derrière moi. Fait que les tantes, les oncles, les grands-parents, tout le monde était là. Tout le monde a sauté dans les airs. Donc, pour moi, c'était comme la première ronde. J'étais super content. Puis, ça s'est bien déroulé en général là, ma carrière junior majeur. À 18 ans, tu as commencé petite photo ici avec. Avec le Phoenix, puis ouais. Ça a relativement bien été là, tes débuts dans cette ligue-là. Tu as eu une belle carrière. Oui. Ouais, j'ai toujours été super bien entouré. Je veux dire, même cette année-là, c'est difficile pour une équipe d'expansion, mais on avait quand même des bons éléments. Moi, ils m'avaient dit on va te prendre dans l'équipe, mais tu vas jouer de temps en temps. Tu vas être comme notre 7e, 8e défenseur. Puis finalement, j'ai pas manqué un match. Puis je jouais régulièrement, jouais sur le power play avec des bons joueurs. Fait que j'étais capable de m'adapter rapidement quand même dans cette ligue-là. Puis après ça, à mon année 19 à l'Armada, ça a bien été aussi. Puis à 20 ans, j'ai réussi à mettre quand même plusieurs points. Là, avec les Wildcats, tu as passé probablement la plus grande partie de la saison. Ouais. 9 buts, 42 passes avec les Wildcats. Et je le revenais un peu sur Sherbrooke parce que tu sais, on fait des petites recherches avant le podcast. Puis j'ai lu dans une entrevue sur le site de TSN le choix, dans le fond, de 4e round en 2020, là, qui William Villeneuve maintenant, qui évolue avec les Marlies.
dans la Ligue américaine, qui a quand même des bonnes chances d'un jour monter dans la Ligue nationale, risque d'au moins jouer au moins quelques games, parce qu'il est jeune, puis il va bien, puis c'est un défenseur. Mais lui, dans le fond, qui a dit que quand il est arrivé à Sherbrooke, c'était un peu toi qui l'avait pris sous son aile, comme on veut dire, puis il avait, dans le fond, il avait tellement, je pense, apprécié ton appui, ton support, que maintenant, il porte le numéro 13 en ton honneur. Ouais. Non, honnêtement, c'est une belle histoire, là. Écoute, Will, c'était mon kit de pension quand je jouais junior. Mm-hmm. Puis il jouait à Tombe dans ce temps-là. Parce que moi, c'était comme mon petit frère, là, un passionné de la game. J'en ai jamais vu comme ça. Là, fait que c'était débile. Là, même. Écoute, des fois, je revenais là, de l'école. Fallait que j'étudie le soir. Puis là, il marcelait pour aller pratiquer ses shots dehors. Puis tout. Hey Will, écoute, de moi 5 minutes, il allait s'asseoir sur le divan, il partait un timer, 5 minutes. Puis au bout de 5 minutes, il me le redemandait. Je disais, OK, alors, 20 minutes. Hey, mais écoute, ça paraît. Puis, déjà, à cet âge-là, il était une coche au-dessus de tout le monde. Puis je me souviens d'avoir dit à ses parents, j'ai dit, c'est sûr qu'il va jouer junior majeur, votre gars. Puis d'après moi, il va se faire adapter dans la Ligue nationale. Puis. Il a vraiment eu un beau développement, mais c'est tout en son honneur. Le kid, c'est tout un individu. Là. C'est pas juste un bon joueur de hockey. C'est un gars qui est un pro. Puis je suis vraiment content. Là. Il dit que moi, j'ai été une inspiration pour lui, mais c'est une inspiration pour moi dans la vie de tous les jours. Là. Je suis vraiment content de ses succès. Ouais, c'est le fun. C'est le fun à voir. Puis, en tout cas, je vais avoir un peu de toi s'il monte avec les Maple Leafs, il va avoir un peu de toi dans NHL. J'espère qu'il va se rappeler de moi. Ouais. Qui va avoir son premier chèque. Je sais pas s'il est retiré par exemple à Toronto numéro 13. Ah, Sundin. C'est quoi? C'est pas Matt Sundin? Ah ben oui, t'as raison. Ouais. C'est ouais, sûr. Ah oui. Ouais. Ouais. Sinon j'aurais joué là. Mais... ouais. Si on continue un peu ton parcours par la suite, je ne sais pas, as-tu fait des camps là, peut-être de la Ligue nationale à tes années juniors? Pas en tout, puis je pensais peut-être avoir une chance, tu sais, des fois remplir un chandail, mais tu sais, j'ai quand même eu proche de 50 ou 50 points à 19 ans, à 20 ans, je me suis dit, crème, il ne faut pas croire que c'est une équipe qui va me donner une chance. Là, je ne m'en vais pas là pour faire l'équipe, mais juste vivre l'expérience. J'aurais vraiment aimé ça. J'aurais senti que j'étais allé jusqu'au bout de mon expérience. Mais non, j'ai jamais rien eu. C'était tout le temps, tu sais, ouais, il a fait des bonnes stats. C'est un bon joueur, mais on va voir. Quand j'étais junior, on me disait, bon, on va voir quand il va être universitaire, tu sais, avec des hommes, comment il va se débrouiller. Bon, j'étais arrivé universitaire. Mm-hmm. J'ai eu des bonnes saisons universitaires aussi, mais là, c'était « Ah, ben là, c'est universitaire, on va voir. » C'était tout le temps « On va voir. » mais quand j'étais à McGill, j'ai eu un camp avec les Marlies de Toronto. ça n'a pas tourné comme que je voulais. Parce que moi, j'ai jamais manqué de game de ma carrière de hockey pour blessure ou quoi que ce soit, mais là, ça a joué contre moi. Putain. J'écoutais pas nécessairement les conseils des physios ou quoi que ce soit, puis je guérissais jamais vraiment mes blessures. Puis avant le camp, il y avait des medicals là, pour voir si tu étais en état de jouer. Puis ils avaient testé mes épaules, puis ils m'ont dit, écoute, ton épaule est débarquée, fait que on te laissera pas pratiquer. Puis, j'ai repogné l'avion le lendemain, puis j'étais allé là, j'ai fait un aller-retour, je suis parti avec une coupe de chandail. Puis, ah ouais, là, pour vrai. Non, fait que... T'as même pas pu aller sur la glace, rien. Hey, j'ai dit au gars, honnêtement, laissez-moi jouer. Au pire, je me blesse. Là, c'est pas. Ouais. Colin, t'es sérieux? J'ai toujours joué de même. De toute façon, moi, je frappe pas. Okay. C'est de te faire frapper, par exemple. Ouais, c'est ça. J'ai dit, cette année, moi, je joue, mais juste si Pocket est dans mon équipe, sinon. Ouais, c'est ça. De ce côté-là, tu peux respirer un peu. Ouais, c'est ça.
Je suis curieux, Dom. Miguel, parle-nous donc de ça. Comment c'est le hockey universitaire? J'ai l'impression que le hockey universitaire, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop au Québec, qu'on ne veut pas. Puis, moi, j'ai eu la chance d'écrire la Coupe universitaire en 2019. J'ai découvert un beau produit, puis je trouve que ça gagnerait peut-être à être un peu plus connu. Parle-nous-en un peu de ce séjour-là à McGill. Personnellement, ça a été le meilleur hockey que j'ai joué. Puis je pense que c'est un calibre qui ne va jamais être connu parce que je pense que la Ligue de hockey, je ne veux pas parler contre la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, mais parce que les gars ont beaucoup plus de potentiel que les joueurs qui jouent universitaire, mais le calibre de jeu, le niveau de jeu est beaucoup supérieur universitaire qu'à la Ligue de hockey junior majeur. Fait que si les fans connaissent un peu plus, ben c'est ça. Puis, comme je te dis, ça n'enlève rien aux gars juniors. Les gars juniors vont finir par être meilleurs ou équivalents. Mais je parle, on est tous des gars qui sortent du junior majeur, puis on était des bons joueurs junior majeur, puis là, on est plus vieux. Fait que, naturellement, on va être meilleurs. Mais oui, si les fans apprenaient à connaître cette ligue-là, peut-être que ça l'attirerait plus de monde, puis ça l'enlèverait du monde dans les arénas de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ne tiennent pas nécessairement à publiciser la Ligue, mais moi, Pourquoi qu'ils ne veulent pas publiciser? Ben, comme je te dis, je pense que ça l'enlèverait de leur revenu, ça l'enlèverait de leurs fans. En même temps, les marchés universitaires ne sont pas vraiment dans les marchés junior majeurs. Tu sais, McGill Concordia, c'est à Montréal. Bon, t'as peut-être un peu l'Armada, t'as les pétroliers aussi, là, mais tu sais. Ouais. Mais sinon, je me l'explique mal, honnêtement, parce que je connais pas personne qui est venu voir des games et qui a dit c'était pourri, je retourne pas là. T'sais, ça coûte pas cher aller voir une game. C'est du très bon calibre. Mais c'est parce que moi, de la façon que je le vois, c'est que tu sais, l'universitaire américain, par exemple, celui-là, c'est une porte d'entrée vers. Vers le hockey professionnel, tandis qu'au Québec, on a déjà la Ligue junior majeure du Québec. Fait que, oui, dans un sens, je te rejoins dans où ce que tu dis, la Ligue junior majeure veut garder un certain... Tu sais, je veux dire, le gros du développement du hockey va passer par le junior majeur. Ouais, c'est ça. Pas dans l'Ouest, les ligues junior A, tu sais, ce qui est junior 3 ici... Mm-hmm. Je dis, t'en as qui sont repêchés là-bas, là. T'as des équipes qui sont. T'as des ligues qui sont vraiment compétitives, qui pourraient faire compétition à beaucoup d'équipes un peu partout. On n'a pas ça ici parce qu'ici, on se concentre beaucoup plus sur le junior majeur. C'est comme ça que je le vois, là. Fait que Puis je pense que t'as raison, là. T'es dans le sens que c'est pas une ligue de développement, là, universitaire. Là, mm-hmm. Quand t'es rendu universitaire, c'est que t'as fait un choix d'opter pour les études, puis. Ça va se finir pas mal là. Oui, il y en a. Tu vas me dire, il y en a qui ont joué. Oui, mais c'est pas le but. C'est pas, je m'en vais jouer universitaire parce que je veux jouer dans le show. Mais par exemple, en même temps, si on fait le parallèle avec les États-Unis, je pense qu'il y a un de nos invités qui nous disait ça. Il faisait la comparaison, genre, je sais pas moi, à Wichita University, la ville, il y a 25 000 personnes. Il y en a 20 000 qui sont dans l'aréna le vendredi soir. C'est pas nécessairement des gars qui vont aller dans le show que c'est le meilleur calibre. Les États-Unis, ils ont aussi la USHL. La culture, là. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça. T'sais, je comprends aux States, mettons, qu'ils remplissent un stade au football. C'est le sport. Mais nous, notre sport, c'est le hockey. Ouais. Mais je comprends pas que, genre, tu sais, les associations étudiantes ou les. Tu sais, comment maintenant je suis allé à l'Université de Montréal, je veux dire, je me rappelle pas avoir vu ou entendu une fois une pub pour, mettons, aller voir les games des Carabins. Puis c'est comme Colin, genre. Le sport universitaire aux États-Unis, il y a une certaine tradition du sport universitaire aux États-Unis qu'il n'y a pas ici. Puis ça se reflète un peu partout. Je veux dire, des grosses foules, là, tu vas en avoir au football, au basket, tu vas en avoir au hockey, tu vas en avoir à la cross, tu vas en avoir à. Tu sais, c'est dans l'ADN des universités de supporter son équipe puis tout ça, ce qu'on a peut-être un peu moins ici. Oui, mais après, moi, le nombre d'efforts qu'on a fait pour aller dire, hey, écoute, man, mets les billets 5$ puis donne une bière avec ça, puis tu vas remplir l'aréna. Un sac de pinottes. L'université, c'est sûr, tu remplis. Le monde, il aurait pu aller voir les games, boire un peu, mais après ça, aller au bar, là, ça aurait pogné. Là. Mais il n'y avait aucun effort qui était mis pour attirer une foule. Puis
tu sais, même, écoute, j'étais sur le campus, là, j'allais manger au Subway en bas, là, j'arrivais avec mes bâtons de hockey, puis les étudiants me disaient « Ah, oh, you went skiing? » T'es sérieux? On est à Montréal, tu me demandes que je n'allais pas être du ski, j'ai été bâton de hockey, tu sais, ça marche pas, là, Et en plus, on s'entend, tu étais un des meilleurs joueurs de l'équipe, là, McGill, quand tu étais là. Là puis, ouais, c'est... Ben, ça a bien été, mais on avait vraiment une belle équipe. Encore une fois, là. Mais moi, j'ai une question. Y avait-tu encore une grosse rivalité avec Queens? Bah. Parce que moi, le premier match universitaire que j'ai vu, c'était en 2004, je pense. Puis Queens descendait avec probablement deux autobus de fans. Ça avait l'air de la finale des Chiefs dans Slapshot. Là. C'était un carnaval dans l'aréna. C'était hallucinant. Puis plus la match allait, plus, disons, la sécurité a dû intervenir. Les autobus étaient avec des masses ou... Non, mais je me rappelle pas, là, peut-être. Là, mais ouais. C'était, moi, je me rappelle, ça avait été intense. Il y avait beaucoup de monde. Puis QTR et Concordia, c'était des méchants de bonnes games. C'est tous des gars qu'on a joué contre junior majeur, mêlés dans trois équipes. Puis c'est ça la ligue. Là. Et 4 ans plus tard, c'est pas mal tous les gars contre qui tu joues dans la ligue nord-américaine. Ouais, oui, mais carrément. Ouais. La majorité des. Ben, la majorité. Bien, les gars qui ont du succès dans la ligue nord-américaine, c'est les gars qui ont passé par le réseau universitaire. Mm-hmm. Okay. Il y a une question dans le chat qui est intéressante. Stéphane Bailey qui dit, quand tu joues universitaire au Québec, es-tu payé comme aux États-Unis? As-tu un scholarship si tu es dans l'équipe de hockey? Oui, il y a certains joueurs dans l'équipe qui avaient un scholarship, un full scholarship, mais dans le fond, c'est que le scholarship, tu peux pas, c'est pas pour faire de l'argent, c'est vraiment pour couvrir tes frais de scolarité. C'est pour ça qu'il y a certains joueurs mettons, qui vont étudier à McGill puis, ou à peu importe ailleurs, ou c'est une équipe de hockey, mais qui va décider de venir jouer peut-être dans la Ligue nord-américaine. Là, que, ouais, donc, c'est ça. Ben, Danny Podvin nous avait dit que c'était quasiment un peu comme aux États-Unis quand ils font une majeure, là, parce que quand il est allé à Concordia, il s'était fait dire dans quoi tu veux étudier. Puis finalement, c'est ça qu'il avait eu. Là. Ouais. Mais en même temps, si on fait la comparaison aux États-Unis, les frais universitaires sont pas mal plus élevés aux États-Unis qu'ils sont ici. Ouais, ça aussi. Ça, c'est un autre dossier. Mais tu sais, la NCAA, là, on s'entend que c'est une grosse business aussi. Là. C'est... Ouais. Puis tu sais, il y a des règles, je sais pas comment c'est dans le hockey, mais je sais qu'au football, pour que les équipes soient dans la division 1 puis puissent accéder au bowl de fin d'année, il faut qu'il y ait un certain nombre. Je pense que c'est dans les 75% des joueurs qui sont en scholarship, là, c'est assez intense. Là. Ouais. Que c'est ouais. sûr que je pense que tu as mis le doigt dessus. Là. C'est pas les mêmes sommes d'argent. Là. C'est juste une autre. Donc, c'était 3 000$ le scholarship là, pour l'année. Là, Mais en même temps, il y a aussi des joueurs qui ont dit qu'ils avaient quitté l'équipe, mettons, de McGill pour jouer dans la Ligue nord-américaine, mais en continuant d'étudier. Ouais. Mais tu sais, comme Nick Poulin, c'est ce qu'il a fait. Nate Larose, c'est ce qu'il fait en ce moment. Lui, c'est un peu différent parce qu'il fallait, vu qu'il a joué pro l'année passée, cette année, il ne pouvait pas jouer à McGill. Il était redshirt un an. Je peux comprendre, tu sais, un an à ne pas jouer, juste faire des pratiques, à un moment donné, ça devient long. Ouais. Il y a commentaire aussi pour juste peut-être un peu finir là-dessus, mais François Bellefeuille qui dit le. Bellefleur, pas Bellefeuille, c'est une mauvaise. Mais Bellefleur qui dit le fait d'avoir un cégep, la grosse différence, je pense que ça fait quand même du sens aussi, là, parce que si les joueurs arrivaient 2 ans plus jeunes à l'universitaire, peut-être que ça serait plus vu comme une ligue de développement. Parce que c'est surtout que c'est dans le pic de développement, là, genre 7, 18, 20. Ça serait de copier carrément le cheminement qui ont adopté aux États-Unis. Puis moi, je pense, on dirait que je fais ma langue sale, là, mais j'ai adoré mon parcours junior majeur, mais je pense quand même que de forcer les gars à continuer à aller à l'école, je veux dire, ça fait un joueur de hockey plus, peut-être pas plus intelligent, là, ça veut pas dire que tu vas à l'école que tu es intelligent, mais je veux dire, ça fait quelqu'un de plus allumé, plus éduqué, puis des fois, ça paraît sur la glace que le gars il est allumé, puis je sais pas,
Moi, je suis dans cette optique-là. Là, fait que, mais comme je t'ai dit, j'ai vraiment adoré mon parcours junior majeur. Là, fait que je ne changerais pas ça. Mais techniquement, ça pourrait, dans le futur, là, qu'on copie les États-Unis. Puis, t'étudies en quoi? Est-ce que tu travailles dans ton domaine en ce moment? Moi, j'étudie comme ingénieur. Puis, là, je travaille chez Bell Hélicoptère aussi comme ingénieur. Puis, je fais ma maîtrise en même temps en génie aéronautique. Okay. Puis, j'ai jamais vraiment arrêté. J'aime bien. Ça me garde allumé. Ouais, garde allumé, ça glace. Hey, bon. le temps avance un petit peu, puis notre autre invité est dans la salle d'attente déjà. Fait que, ben, je voulais y aller peut-être avec quelques photos là, que je te montre. Si tu peux me commenter ou me dire qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus. Là. C'est pas super, là. C'est pas super. Là. Mon Facebook est quasiment clean. Là. Mais avec cette belle photo-là. Ouais, c'est bien, hein? Ça, c'est mon frère à gauche. T'as un méchant cerveau là-dessus. Ouais, hein? Ouais. Comme moi et mon frère, on a vraiment tout été proches. Là, c'était... Mon frère, c'est mon analyste. C'est mon agent, c'est mon coach. Là. Hugo, là, il check toutes les games. Soit qu'il vient au game ou il est check à la TV, puis après ça, il s'assure de me faire un compte rendu puis de me dire qu'est-ce que j'aurais dû faire. Puis qu'est-ce que... Même jusqu'à ce jour dans la ligne américaine? Même jusqu'à ce jour. C'est... Mon frère, c'est le gars le plus passionné que j'ai vu. Ça va être un excellent coach plus tard, puis il est super bon pour analyser la game. Tout ce qu'il dit, ouais. Je peux jamais dire, mais voyons, c'est quoi tu parles? C'est tout le temps vrai, puis c'est tout le temps... Il connaît la game, puis il est franc. Puis... C'est comme Marcel dans les boys, un peu. Il a des prédispositions dans le coaching. Ouais. Mon frère, là, ça fait quelques années qu'il est troisième goaler. À McGill, il était troisième goaler. Avec les pétroliers, troisième goaler. Il est là à toutes les pratiques. Il chiale jamais. Il reçoit des shots. Et, c'est lui qui goal dans les 5 contre 3 à la fin. Quand les gars pratiquent le one-timer, c'est lui qui goal. Jamais tu vas l'entendre chialer, jamais tu vas dire pas que je veux gauler, tu sais, pas en tout. Lui, tu fais partie de la game, continue à jouer avec les boys, tu sais, honnêtement, moi, je trouve que c'est remarquable, là, tout le temps une belle attitude, puis c'est super le fun. Fait que, c'est à partir de cette photo-là, mais en gros, ça. Ouais. Ah, c'est le fun. C'est le fun qu'on en a parlé aussi, ça, on avait un peu dans les notes aussi, là, parce que vous avez déjà été coéquipiers. Fait que c'est rare que les frères sont coéquipiers. Ouais. Puis j'avais cette petite photo-là. Ah ouais. Les Wildcats. Et tu avais écrit un message là, de voir un petit peu les sourires. Là. Ouais, écoute. C'était avec des enfants malades, ça, à Moncton, quoi. Ouais, c'est dans un hôpital. Tu sais, c'est des enfants malades. Souvent, c'est cliché tu sais, de voir les joueurs s'impliquer dans des affaires de même. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important de redonner un peu à. Parce qu'on est choyé, veut pas, de pouvoir faire notre part, être en santé. Puis. En plus d'en tirer un petit salaire. Fait que, je trouve que c'est important. Puis, tu sais, encore, encore aujourd'hui, tu sais, je m'embarque dans des projets d'amorcer de l'argent pour. Comme j'ai embarqué dans un projet avec ma blonde d'amorcer 20 000 $ pour le cancer. Fait que, ça, je trouve que c'est des choses qui sont importantes. Puis, tu sais, pendant qu'on a la chance de le faire, ben, j'essaie d'en profiter. Fait que, ça nous ramène sur terre un peu. Puis, ça nous redonne tu sais, le sourire quand tu vois que. Il y a des jeunes ou même des vieux qui n'ont même pas la chance d'être en santé. Fait que... Es-tu en organisation en ce moment ou tu peux faire une petite annonce là-dessus ou non? Pourquoi? Excuse, répète-moi ça. Ben, tu parlais que tu ramassais avec ta blonde là, 20 000 $. Est-ce que c'est en organisation ou il va-tu avoir un événement quelconque qui va venir? Écoute, il me reste sur les 20 000, je pense, il me reste 1 500 à amasser. Ça s'en va à la Société de recherche sur le cancer. J'avais fait des événements avant la COVID. Après ça, c'est tombé la COVID, fait que là, je ne pouvais plus faire grand-chose, mais j'avais fait des petits tournois de deck hockey, j'avais fait des emballages, toutes sortes de choses. Fait que là, pour le prochain 1 500, là, je vais regarder ce que je peux faire. Des soupers spaghetti? Oui, soupers spaghetti au Colisée de Laval, ça va pogner. Ouais. La glace. Le monde garoche ça à la glace.
Nick Pelletier était dans le chat, là, si tu as des propositions. Là, tu peux Nick, dire, là, mais... moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Puis, Nick en est pour beaucoup, je trouve, dans l'équipe. Puis, une des choses qui m'a frappé le plus dans cette organisation-là, c'est le professionnalisme. Puis, Nick, comme je vais le répéter, il en est vraiment pour beaucoup, mais je pense que tout le monde qui est impliqué dans cette équipe-là travaille cœur et âme pour l'équipe. Puis ça paraît. Puis, on est traité vraiment comme des pros. Même si on est comme trois fois à l'aréna par semaine, je trouve qu'on n'a rien à dire. Nous autres, tout ce qu'ils nous demandent, c'est de tout donner sur la glace. Puis, c'est facile rendu là. Comme je te dis, là, on manque de rien. On est vraiment. Ben, je dis, on est traité comme des pros, comme si j'avais joué dans le pro. Là, mais, c'est une ligue professionnelle, la Ligue nord-américaine. Ben, tu vois, j'arrête pas de dire que c'est une ligue tremplin. Fait que, non, mais écoute, puis comme je te dis, là, je ne le remercierai jamais, Nick, mais je dis souvent là, que je suis reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Fait que, c'est important d'encore le mentionner devant les milliers et milliers de fans qui nous écoutent. Good. Ouais, donc, petite photo ici. Yes! Marathon? Ça, c'est un demi-marathon. Il ne faudrait pas que je dise marathon, mais on va me chicaner. Pour avoir des airs quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ma blonde, elle courait pour l'université à Capote. Là, je me demande comment elle fait pour aimer ça. Mais non, on a embarqué là-dedans. Puis ça, c'est un demi-marathon à Tremblant. J'avais vraiment aimé ça. Tu sais, j'étais plus en forme dans ce temps-là. Mais ça, on me regarde. Là, puis, je flairais sa glace. Ouais, je peux la remettre si tu veux. Ouais, okay, on n'est même pas la même personne. Comme ça. J'ai de l'air de Mason Hour là-dessus. Non, c'est ça. Mais ouais, j'étais un coureur. Good. Peut-être, Dave, tes petites questions hein, en rafale. Ouais, venir une petite question en rafale à la question de mieux apprendre à te connaître. Donc, on va commencer ça tout de suite. Tu dis la première chose qui vient en tête, là. Ton idole au hockey? Raymond Bourque. Tu expliques? Ouais, vas-y. Ben, moi, je suis un fan des Bruins depuis que je suis tout petit. Je suis un fan des Bruins, puis Raymond Bourque, ben, écoute, surtout de ne pas l'aimer. Là. C'est sûr que je ne l'ai pas vu jouer longtemps, mais... juste son charisme, puis quel genre d'individu que c'était. Puis en plus, ben, c'était un des meilleurs défenseurs de tous les temps. C'était mon joueur préféré. Parfait. Ton athlète préféré en dehors du hockey? Je dirais Pat Mahomes au football. Mais j'aime pas ça, c'est comme tout le monde. Là. Tout le monde dit tout le temps les mêmes. Tiger Woods. Tout le monde dit Tom Brady. Pat Mahomes. Non, Pat Mahomes, je trouve que c'est un gars qui sort de l'ordinaire un peu. Il est jeune, il est cocky un peu. J'aime son style. Puis, ça change mal, voir des gars de même. Ah, c'est cool. Ma blonde va être contente d'apprendre ça parce que j'ai comme compilé tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Il y a bien des réponses de Tom Brady. Puis, tu sais, un moment à côté de moi, quand je faisais ça, elle était comme, ils répondent tous Tom Brady. Puis, elle est un fan des Chiefs. Puis, elle a eu Tom Brady. Ah ouais. Donc, elle répond tout Tom Brady. C'est donc un plan. Non. Genre, là, en tout cas, t'as répondu Pat Mahomes. Là, est-ce que t'as une routine d'avant-match? Je n'ai pas fier d'entendre ça. J'avais une routine d'avant-match, mais je me rendais compte que ma routine d'avant-match, là, ça faisait juste me déconcentrer plus que d'autres choses. Fait que j'ai vraiment pas de routine d'avant-match. J'arrive à l'aréna, je m'étire les jambes, bien relax, je parle avec les gars. Moi, c'est important de faire vraiment le vide avant le game. Mm-hmm. Fait que, tu sais, souvent, après une semaine de travail, j'aime ça juste parler avec les boys, penser à d'autres choses. Puis quand j'arrive sur la glace, ben je pense à rien d'autre. Fait que, c'est ça ma routine maintenant. Faire le vide. Quand je jouais, ouais, faire le vide, tandis que quand je jouais junior, ben, tu sais, c'était pas vraiment rempli, là, mon cerveau, là, il plutôt relax, fait que, là, j'avais plus une routine, mais je me rendais compte que ça me déconcentrait, là, tu sais, mettons, je suis pas, ma routine, c'était de taper mon bâton, mais là, il y avait pas de tape, là, ça me déconcentrait. J'aime mieux, pas de routine, on fait le vide, puis on joue au hockey. Nick, il dit, il sort les mi-temps avec Parker, des fois. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais. Excuse-moi, Nick, tu as raison, hey, Parker,
Tu tiens pour le faire qu'il fasse ton sparring? Ah, oh, ouais, moi, je suis un coach, tout ça. Les toughs dans la ligue, faites attention. Là, ah, ouais, je sais pas. J'ai commencé ça, je faisais un mythe avec. Puis, il me défonce les poignets avant chaque game. Ton coéquipier le plus drôle? Le plus drôle. Medley, quelque chose. Il y avait Desrosiers l'année passée. Enfin, Desrosiers, on l'a perdu. Mais Matthew Medley, il me fait rire. Je sais même pas pourquoi il me fait rire. Il parle avec une drôle de voix. Je sais même pas si c'est sa vraie voix, là, mais. C'est bon. Vous y avez déjà parlé à Matt, sûrement? Oui, ouais, il est venu au podcast. Oui, ça fait 40 ans qu'il est dans les. Non, il est drôle. C'est vraiment un chic de Matt. Et, de toute façon, il n'a pas fait. Il est toujours de bonne humeur, Matt. Il est toujours. Ouais. Tu le croises peu importe où. Là, hey, ça va. Hein? Il est toujours. Ouais, avec cette voix-là en plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais ça, François. Il a essayé de faire l'imitation. Ah, il était carré. Je l'ai croisé souvent cet été aussi au baseball, au Jazz de Montréal, puis la même chose. Hey, comment ça va? C'est bon, Jack. On a vraiment beaucoup de bons Jacks. C'est ça qui me manquait là, de ne pas jouer. Là, puis, c'est ce que je disais quand je suis arrivé sur le marché du travail. Je disais, boy, ça me manque une bonne gang de boys. Moi, à Jazz, je ne peux pas vraiment faire le cave, là, mais dans une chambre de hockey, c'est le fun. Là, déconner un peu. On a des bons phénomènes dans la chambre d'hockey. Lâcher son fou un peu, c'est important. Ah, ouais, c'est cool. As-tu un coéquipier qui serait le plus en désordre? En désordre? Hammer. Ça n'a pas de l'air facile. Hammer, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'est Brandon Hamlin. Désordre, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment il ferait pour garder ça en ordre. Ah, oh, lui aussi, c'est un drôle de gars. Sa mère qui fait sa chambre ou. Non, je ne sais même pas d'où ça sort, ce préjugé-là, mais. C'est parce que son nom verbal, la main est tout le temps à l'air brûlé. Je me dis, s'il est brûlé de même. Oh, on a un petit. Un ancien coéquipier qui dit tu t'ennuies tout le monde. Je sais pas si c'est juste arrivé. Frank me vient de dire que tu étais le coéquipier le plus drôle. Fait que c'est ça. Alors, Frank, on espère le revoir. Là. Techniquement, il est là à temps partiel. Fait que ça se peut qu'il vienne. En tout cas, on verra. Au moins qu'on a-tu un scoop, Frank, si tu nous écoutes. Après moi, c'était tout un scénario, son affaire. Là, puis, il fallait qu'il fasse plaisir à sa blonde en début de saison. Puis après ça, il va se déniaiser. Puis il va revenir nous voir. Ouais, parfait. le meilleur joueur avec qui tu as joué, peu importe le niveau, là, dans le fond. Une bonne, ça. Moi, je dirais Daniel Audette. Dan Audette, mais il y en a plusieurs, là, honnêtement, c'est dur. Là. Sinon, j'ai joué avec. Avec François Zou aussi. Ça vient à ce qu'on parlait, c'était drôle. Là, ça, c'est... Non, c'était bon. Oh, il est super bon, Frank. C'est le deuxième meilleur qui joue. Lui, avec, on l'a eu aussi. Hein. Ouais. Bon, Parkett. Parkett avec, on l'a joué. Sinon, j'ai joué avec Barbachev à Moncton. Là. Il était pas mal. J'ai joué avec des très bons joueurs de hockey. Puis il y en a encore qui sont super bons dans mon équipe en ce moment. Mettons des. Mason Hour, Sauvé, Paquette de ce monde, Desrosiers. Tous des bons joueurs de hockey, là, rendus au niveau où on est. La légende. Oh, ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine à date? Après un an. Mon meilleur souvenir, ce serait les séries de l'année passée. Là, ça m'a. Parce que comme je t'ai dit, moi, l'année passée, je pensais vraiment accrocher mes papins. Mm. Puis, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé sur ma deuxième moitié de saison. Les séries m'ont redonné le goût de jouer. Puis, en même temps, ça m'a laissé un peu sur mon appétit. Là. On dirait, comme je te dis, en 4 games, pour moi, c'était pas que c'était gênant, parce qu'on a donné notre effort. Là. Mm-hmm. On s'est quand même présenté. Là, puis, les matchs auraient pu virer de notre bord aussi. Mais,
Je sens qu'on aurait pu compétitionner un petit peu plus que ça. Ça serait quand même mon meilleur souvenir, même si c'est un souvenir négatif. Ouais. Parfait. Parlant d'appétit, ton repas préféré? Ma pizza. Ah, j'étais bien off la semaine passée. Je pensais avoir de la pizza à Saint-Roch, puis on n'a pas eu parce que la semaine d'avant, apparemment, on avait commandé trop. Puis... Harry, avoir ça, t'aurais dû m'appeler. Je serais venu à chercher ma pizza qui avait trop. Ah. Ton film préféré? Ça, c'est un bon. J'aime bien Grown Ups. Adam Sandler. Ouais. Que tout le monde doit dire genre Miracle ou Remember the Titans. Ça fait la même. Oh, le Jot a dit ça. Ouais. Grown Ups, c'est bon. C'est un bon film de boys. Comme je t'ai dit, moi, je suis un gars. Faut garder les choses légères, puis faut faire le vide. Fait que moi, quand j'écoute un film, là, faut que ça soit tata, puis que tu te causes pas la tête, puis t'écoutes ça, puis tu ris. C'est bon. Puis, dernière question, s'il fallait aller voir un artiste en show, ça serait qui? Kevin Hart. Kevin Hart? Ah, ouais. C'est là, t'es un comédien, on n'a pas... Le monde, il répond plus des chanteurs ou des groupes de musique. Non, mais c'est bon, c'est moi qui ai mal compris la question? Non, non, c'est à l'aide de l'attente, mais je trouve ça hot comme... Il comprend rien, Kevin Hart. C'est ça. Lui, dans mon nom de YouTube. Ouais, ça serait lui. Ouais, il fait rire. Parfait. Fait que, ça cloue le petit questionnaire. Fait qu'en terminant, je dirais, t'as-tu un petit mot pour les fans à Laval qui nous écoutent? Grosse game contre les Éperviers vendredi. Ouais, écoute, on n'a même pas besoin de mousser ce match-là. Là. Tout le monde le sait que c'est vraiment une grosse rivalité. Puis moi, je peux juste dire que on le dit souvent, là, mais les fans sont vraiment importants pour nous autres. Puis on leur sent. Des fois, on arrive flat dans des games, puis juste l'énergie de la foule, ça nous remet dedans, puis ça nous aide vraiment. Là, comme je te dis, c'est cliché de le dire, mais c'est vraiment vrai. Là. Moi, je ne dis pas des affaires qui sont pas vraies. Là. Je ne parle pas juste pour parler. Que c'est vraiment important, puis on apprécie vraiment qu'ils sont tout le temps derrière nous autres. Fait que, même à Saint-Roch, là, je pense qu'ils ont rempli l'aréna. C'était débile, puis on les aime, puis on essaie tout le temps de se présenter pour eux autres. Puis, c'est un mot d'ordre dans la chambre aussi. Là. Des fois, on rentre entre les périodes, puis en même temps qu'on a sorti flat, là, ben, Pierre, il nous le répète que on doit donner un show pour le monde qui ont payé, puis on les attend en grand nombre, puis de toute façon, on le sait qu'ils vont être là en grand nombre. Fait que, on a bien hâte à la game. Good. All right. Ok, merci Dom d'être venu sur le show. Merci de ton temps. Une bonne entrevue. J'ai vu des messages passer tantôt aussi. Le monde était content. On dit vous avez reçu un bon invité. Ah, mais c'est gentil. C'est mes parents qui ont écrit ça, ça? Non, mais moi, j'aimerais ça peut-être prendre un petit 30 secondes pour féliciter le travail que vous faites. Puis, c'est dans la même veine que ce que je disais, là, que les gens ils ont comme des préjugés envers la Ligue, mais je pense que ce que vous faites, ça l'aide à apporter une belle image à la Ligue. Un bel job professionnel, puis ça reste le fun, ça reste le monde dit les vraies affaires, puis ça reste, comme je te dis, ça reste professionnel, ça reste classique. Ça reste de bon goût. On est bon de votre côté. Je suis sûr qu'il y a des belles citations qui sortent de ces podcasts-là. Fait que, un gros good job. Puis, je ne sais pas combien vous êtes payé pour faire ça, mais c'est vraiment sharp. Bien sûr. Ben, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Ouais, puis tu t'enverras le tape à. Ben, peut-être qu'il écoutait, mais sinon, tu enverras le tape à Hugo. Il va te donner des pointers sur comment. C'est comment était ton entrevue? Ouais, tes entrevues. Puis je t'envoie ton chèque aussi là, pour nous avoir vanté. Là. Ouais, c'est bon. Technarby, un chic type. Peut-être, Dave a fait son en terminant. Peut-être ton en terminant pour Jonathan Narbonne qui est dans la salle d'attente. Peut-être un petit roast là, pour Jonathan qui nous écoute. Honnêtement, ouais. Je ne l'ai pas facile parce que Joe, il est tough à roaster. Là. Écoute,
Honnêtement, j'ai rien à dire sur ce cas-là, mais vous y parlerez dans lui. Ouais, on va le rentrer tout de suite. Tant qu'à parler de lui dans son dos. C'est plus fun de parler dans son dos, par exemple. Mais non, je suis content qu'il soit sain et sauf à la maison. Parce que vous y parlerez de comment ça a été son char l'année passée. Il avait fait un changement de pneu, puis il y a eu une mésaventure. Fait que, vous y en parlerez. Mais sinon, ouais, c'est un gars dédié dans Derby. Écoute, il part de Saint-Lalain-des-Mumeux pour venir aux pratiques. Puis, écoute, il est malade. Même dans les pratiques, il se garoche la face première devant les pocs et tout. Fait que, il pas le choix, j'ai vraiment, pas le talent de TT, man. Hein? Pas le choix, j'ai pas le talent. Ouais, c'est ça. Ah non, mais écoute, Joe, là, il a déjà été défenseur offensif. Puis tout, là, ça a déjà été un modèle offensif, puis là, je sais pas pourquoi, là, il est comme gêné. Fait qu'il, je joue avec des gars comme TT, sauvé, puis tout, là, je peux pas. Ah non, d'après moi, c'est parce qu'il a pas confiance au goaler, fait qu'il bloque des shots. C'est un roast au wallet, finalement. Salut. Ouais, salut les boys, bonne soirée. Ciao, TT. Bonne soirée. Salut. All right. Yes. Salut, salut on Joe. On est déjà avec notre prochain invité. Ouais. On entend l'arbre, comment ça va? Pas de pression, hein, pas de pression. Après lui, il parle bien, hein, l'avocat de McGill. Quand même, une bonne entrée en matière. Tu sais, je n'étais pas comme laisser le temps de dire « OK, là, dans 5 secondes, j'arrive, il m'annonce. » Claire. Non, c'est ça, la face directe dans l'écran. Depuis tantôt, je vois la chauffe là, vocalement. Oui, bon, ben parfait, ça. Donc, bon, on parle de ça, comment ça va? Yes, on va. Comme un gars qui travaille 5 jours semaine et qui joue fin de semaine dans la Ligue nord-américaine. Fatigué un peu, mais ça va. Ouais, tu peux avoir une vie avec ça ou? Ben, 2 enfants, je travaille dans une usine, fait que je change de chiffre toutes les semaines. Fait que des fois c'est compliqué, mais c'est pas. Je me plains pas. Là. Des chiffres jour, soir, nuit? Ouais, jour, soir, nuit, toutes les semaines, ça change. Ah, fait que. C'est tough, ça. Ouais. Ouais, ben, tu sais, pour Shawi, c'est une belle job, fait que je peux pas me plaindre. C'est le fun. Je travaille avec mon beau-père, avec mon père, puis. T'es à Shawinigan? Ouais, je travaille à Shawi. OK. Mm. Fait que c'est ça, c'est un clin-clin des murmures. Moi, je savais pas où j'habitais, fait que j'ai juste dit n'importe quoi, là. Mais... Ouais, parce qu'on s'entend que Shawi-Laval, c'est pas énormément loin. Là, mais... Non, c'est ça, je jouais à Jonquière avant. Là. C'est plus loin, c'est un peu, là. Mais 2 heures, ça se fait bien. Moi, je viens de Laval, de toute façon, fait que ça me permet de revenir par chez nous de temps en temps. Ouais. La maison familiale est encore à Laval ou? Non, ben moi, j'habitais dans un appartement à Chemedé. Puis depuis que je suis parti pro, moi, je me suis acheté un condo à Trois-Rivières. Puis moi, je voulais partir du trafic. Ma femme, elle voulait se rapprocher du trafic. Puis finalement, c'est moi qui ai gagné cette décision-là. Même pas d'entre-deux, c'est vraiment... Non, c'est ça. Ben moi, je voulais partir, puis je sais qu'on habitait à Blainville pendant 2-3 ans, puis moi, ça me faisait capoter arriver, puis prendre 2 heures dans le trafic tous les jours, puis... Fait que là, le trafic, c'est 2-3 chars à 1 heure, c'est pas super, là. Ouais. Ben, c'est sûr, j'aime mieux rouler 1 heure, t'es straight, qu'une heure dans le trafic. Exactement. Puis je connais du monde de Montréal qui m'ont demandé une job à Shawi parce que ça leur dérangeait pas de rouler 1 heure et demie chez nous à place de 2 heures. Ouais. Mais tu sais que la ville de Shawi, de Shawinigan, il y a des annonces ici. Moi, je reste à Laval, là, je reste tout près du Colisée. Là, puis il y a des billboards de venez travailler à Shawinigan, des affaires comme ça. Là. Mais oh, c'est ça. Il y a bien de la job. Puis il manque d'employés. C'est juste que. Tant qu'à venir à Shawi, tu t'achètes une maison, ils sont pas chers, la vie est moins chère un peu, puis ça paraît, là, j'ai une maison à 200 000, puis moi, à Laval, ça serait 600 000, là, ça vaut pas, ma job, elle vaut à peine ici. Là. Yes, pour faire peut-être une parenthèse, François Bellefleur, tantôt, nous avait dit, je peux confirmer que le maître, c'est sa voix depuis qu'il est jeune. Je pense qu'il connaît depuis que 6 ans, je pense qu'il avait la même voix rauque. Il jouait Pee-Wee puis il avait une voix rauque. Ouais, ouais. Il avait déjà de la barre, il avait déjà muré Pee-Wee. Même Pee-Wee, il avait l'expérience d'un gars de 42 ans. Il commençait à caler déjà à 12 ans. C'est ça.
Hey, les oreilles doivent vissiler à l'époque. Ouais. Ouais. Ben, puis Hugo Talbot-Tassi qui écrit « Je te texte mes commentaires, Dom. » Parfait. On va pouvoir comparer la prochaine fois qu'il vient. Les améliorations qu'il va apporter à son jeu prochainement. Qui ont podcast. Là, deuxième entrée à la matière. Je t'ai posé une petite question un peu. Comment ça va, tout ça. Au début d'un match de hockey, d'habitude, il y a un hymne national. On pourrait dire qu'à Laval, l'hymne national, c'est Nick Pelletier qui c'est dit la, Joe. La foule, ouais. Joe chante « Nous donc, sous le calvaire ». Eh, Pelletier, n'arrivera pas ça. Il va jamais entendre chanter, puis c'est le sinon, il ne dirait pas ça. Ouais, parle-nous ça, non, François, Laval, là, un peu. Bon, je suis encore en train de me remettre de... Oh, oh, oh. Non, le meilleur pour choisir Sweet Caroline, c'est Nick. C'est ouais. Lui. C'est à chaque première pause là, de la première période, là, c'est immanquable. Nick, il chante. Là, il y a des partisans aussi qui chantent avec lui. Là, mais... Fait que là, il me met en dessous du boss, puis c'est sa chanson préférée. Avec... Exactement. Ah, je pense qu'il voulait que tu lui fasses plaisir un petit peu, vu que c'est sa chanson. Moi, il va faire tout seul demain à pratique à Laval. Good. Donc, si on revient plus sur le hockey, là, pour peut-être faire peut-être te poser un peu la question, peut-être pas qui tu, mais tu sais, d'actualité, là, de savoir 14-3, c'était-tu la première fois de ta carrière que t'avais un match de ce genre-là? Pas de ma carrière, puisque ben, quand j'étais jeune, on gagnait des. Ouais. Tu sais, on avait une bonne équipe. Peut-être là, carrière mais, professionnelle. Carrière professionnelle, oui, mais c'est un mélange de plein de facteurs. Je pense un jeudi, je vais sur de TikTok. Bon. Mais non, c'est un mélange de plein de circonstances. Je pense qu'eux, ça allait pas bien. Il y avait des blessures, il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Puis nous, tout fonctionnait. Tu sais, j'ai jamais vu autant de tic-tac-toe, puis je pense que de leur côté, ils n'étaient pas chanceux. Dessel, ben, il y en a peut-être connu une difficile, puis nous, tout fonctionnait, puis on a bien joué, puis ça a donné ce score-là, mais c'est rare que ça arrive. Mm. Professionnel, ouais. Surtout là, avec des joueurs qui ont joué professionnel, puis tout, là, il ouais. Faut vraiment que ce soit toutes les as en ligne pour que ça arrive, ça, puis ce 14-3, Dessel, c'est un bon gardien, puis ils ont des bons joueurs là-bas, bord, fait qu'on l'a vu le lendemain, tu sais, ils ont joué une bonne game, puis nous, on est arrivé flat, fait que, tu sais, ça aurait pu faire le contraire, mais ils n'ont pas été chanceux, puis nous, on a été chanceux, je crois. Là. Bien, bien, bien répondu. Fait que, moi, je voulais savoir si on parle un peu de, je sais pas jusqu'où, on va tu veux retourner là, le Seb, mais ouais, si on ben je l'ai retourné, ouais. Moi justement, j'en avais parlé un petit ouais. Peu là, en pré-entrevue, Jonathan qui a joué pour le junior de Montréal à Verdun. Oui, le junior, ouais. Ouais. Ça c'est... C'était ta première équipe justement dans le junior. Oui, c'était une belle étape. Dans le fond, j'ai été drafté à Montréal. Puis dans le fond, ça a vraiment parti mon junior, ça a été là. J'ai joué là 2 ans, puis après on a fait le transfert à l'Armada. Mm-hmm. J'ai eu une très belle année, l'année qu'on était. On a perdu en 7 contre Wisdom, mais Montréal, là, moi j'ai rien eu de mauvais commentaires de cette équipe-là. Pour vrai, là, on Joël Bouchard, Dominique Ducharme, Pascal Vincent, c'est un trio de coachs l'enfer, là, trois vraiment bons coachs. J'ai tissé vraiment des bons liens avec Joël Bouchard, que je parle encore de maintenant. Nos trainers, l'équipe, tout c'était super. Moi, pour vrai, Montréal, j'ai trippé. Je viens de Laval, fait que, tu sais, je pouvais aller chez nous quand je pouvais. Puis, junior, tu sais, t'es jeune, tu commences à sortir un peu. Montréal, ben, on a eu du plaisir en masse avec. J'ai bien des amis de Montréal, fait que, on a eu bien du fun mes années à Montréal. Mais quand que vous jouiez, ben, c'était à Verdun, mais vous habitiez où, admettons? Moi j'habitais à Saint-Constant, puis on était 4 joueurs. Fait qu'on était 3 joueurs du Nord, puis un joueur que c'est Hubert Genet, puis lui jouait pour McGill. On était 4 joueurs dans la maison, puis on était à Saint-Constant, fait que c'était une belle place. C'est juste que le trafic, quand même, c'était... Ouais, c'était bon, merci. Ouais, ça peut ça, prendre, mais... aller à l'auditorium, ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre 1h15. Là, mais... C'est ça, puis tu sais, c'est un guest à tous les jours, là. Bon merci, bon Champlain, tu sais, t'écoutes la radio, puis accident là, fait que tu prenais l'autre chemin. Puis... Ouais, dans ce temps-là, il y avait Waze, puis Google Maps.
Non, c'est ça. Puis dans le fond, ben, moi, on était quatre dans la voiture. Fait qu'on avait du fun quand même. C'est juste que des fois, on arrivait tête ou en retard pour des games. Puis ça, on n'aimait pas ça. Tu as mentionné que tu étais encore très proche de Joël Bouchard. On va faire une petite recherche. Là. J'avais lu dans l'entrevue là, que quand tu avais été changé pour te joindre là, au Cataract de Shawinigan, l'année qu'il recevait la Coupe Memorial, Joël Bouchard il avait dit que il avait fait un peu à contre-cœur de t'échanger, mais qu'il t'avait échangé à Shawinigan expressément pour que tu puisses participer à la Coupe Memorial. Parle-nous un peu là, de cet échange-là, puis un peu de peut-être ta relation avec Joël Bouchard, sinon de la Coupe Memorial à Shawinigan. C'est bon, ben, je vais compter sa partie. Dans le fond, ouais. À Montréal. Puis, ma première game junior, j'ai eu un accident sur la glace à Shawi. Puis, j'ai eu une grosse commotion. J'ai eu des convulsions pendant 20 minutes. Puis, une minute. Puis, j'étais inconscient pendant 20 minutes. Aïe, puis, dans le fond, j'ai manqué 5 mois d'activité cette saison. C'est ma première saison. Okay, wow. Puis, mon reconditionnement physique, dans le fond, je l'ai fait avec Joël pendant deux mois complets. Tous les jours, on passait du temps ensemble pour me remettre en forme. Puis un mélange de mon père, il a été bien malade. Aussi, il a eu une dépression et tout. Fait que il m'a comme pris sous son aile tout ce temps-là. Fait que l'été, j'allais habiter chez eux pour m'entraîner avec. Puis il a comme vraiment. Il m'a pris sous son aile. Puis depuis pendant 4 ans, je pense, j'ai habité chez eux. Okay. Des soupers de famille. Tu sais, il m'a pris comme dans sa famille. Puis, tu sais, ses parents, je les connais. Son neveu, sa soeur, toute sa famille, c'est comme ma famille. Puis, on se voit encore, on se parle souvent. Puis, Joël, ça a été un gros morceau de ma carrière. Là. Puis, c'est sûr que je ne vais jamais oublier ça. Comme un fils spirituel, on pourrait dire. Ah, c'était pour vrai, là, le nombre de choses qu'il a faites pour moi. Je pourrais jamais dire assez merci à qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Puis, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui l'a bâti. Mon caractère, il était sur mon dos pendant beaucoup sur mon dos. Puis, pas financièrement, mais prendre des bonnes décisions. Il m'a vraiment formé pour être une bonne personne. Puis ça, ça a tout changé. C'est je vais pas être parcours, mais... Ton parcours ouais. Avec les cataractes par la suite. Ben dans le fond, là, c'est ça qu'il m'avait dit. Fait que là, il m'a échangé, puis on a eu un souper, on a été au déjeuner à côté de l'aréna ensemble, puis il m'a dit je veux vraiment être à la coupe, puisque j'aurais eu mieux dans un autre échange. Puis... Fait que quand il m'a échangé, moi j'étais triste, puisque l'Armada, moi, ça faisait 4 ans que je m'entraînais à Beaubriand, puis j'étais comme. C'est la place que je veux finir mon junior et tout. Fait que là, quand je suis arrivé à Shawi, je connaissais une couple de joueurs, puis je savais qu'il y avait la Coupe de Montréal. Fait que quand je suis arrivé, moi, c'était pour une demi-saison. Fait que, tu sais, ça change quand même la donne un peu. T'arrives, là, il y avait Morgan Ellis qui est arrivé, Brendan Gormley, des gros noms de hockey. On avait une bonne équipe, des bons joueurs, puis... ma saison là-bas, ça s'est bien passé. Moi, Shawi, j'ai trippé complètement. Puis l'aréna était neuve. Les fans étaient fous complètement. Des mordus de hockey. Là. Puis là, on perd en série. Ça m'a pas aidé. Perdre en série, ça a été vraiment la descente aux enfers. C'est le perdre en 7. Puis il y avait tellement d'attentes envers l'équipe que... On capotait, les joueurs, là, ça allait vraiment pas bien. Fait que je me souviens encore qu'après, quand on s'est fait éliminer, on a eu un gros meeting avec les coachs, puis c'était un ultimatum. J'ai un programme de 1 mois, vous le suivez ou vous partez. C'est un des deux, puis à la fin de ce mois-là, vous allez être en forme comme vous ne l'avez jamais été, puis... Je ne vous garantis pas qu'on va gagner, mais vous allez être l'équipe la plus en forme, puis de loin, puis c'est ça que ça a donné, puis ouais, ça a donné que le tournoi de la Coupe Montréal, ben, je ne sais pas si tu veux poser une question, mais ouais. Tu peux continuer. C'est pas... Ouais, ben, ça a-tu été le plus en forme que tu as jamais été après ce mois-là? J'ai jamais été aussi en forme qu'après ce mois-là, c'était l'enfer. Ouais. On a fait un tournoi à bout de souffle pour se tester puis jouer des games, puis on en jouait 2 collés, puis on n'était même pas fatigué. 2-3 collés, on était prêt à en jouer plus, puis
c'était dans le tournoi, ça paraissait qu'on avait un edge. Puis, on n'avait pas joué pendant un mois, mais le mois qu'on a pratiqué, c'était comme si on jouait. Là. On se frappait. Éric Veilleux était sur notre dos. Moi, je me souviens, j'ai barré du dos. Puis deux jours après, j'étais obligé d'être sur la glace. Puis j'avais aucune excuse. Là. C'était un puck d'en face. J'étais tout coupé dans la bouche. Puis pas grave. C'est un genre d'entraînement-là. On ne pourrait pas avoir ça aussi en saison. Ben en saison, ben dans le fond, une saison junior, c'est quand même long, l'école, puis tout. Fait que je pense que ce qui est arrivé à Chaoui, moi, que j'avais entendu, c'était que dans la saison, il n'y a pas eu les derniers mots sur toute la mise en forme des joueurs. Puis moi, je suis arrivé, j'étais en forme parce qu'à l'Armada, on était vraiment des gars en forme. Là. Puis quand je suis arrivé, je sais qu'il y en avait qui à Chaoui étaient peut-être moins en forme. Puis je pense que Veilleux, ça l'énervait un peu parce que c'est vraiment un gars qui prône la mise en forme. Puis c'est un gars en chef aussi. Fait que je pense que c'était vraiment un point qu'il a pas aimé de notre saison à Chaoui, c'est que les gars étaient pas assez en forme à son goût. Puis en série, je pense que ça a paru en deuxième ronde contre des Saguenayens, là, qu'il manquait un peu de forme. Là. Okay. Puis, par la suite, tu as fait un camp là, avec le Canadien? Oui, j'ai fait un camp avec les Flyers de Philadelphie avant mon année junior, Armada. Ça s'est super bien été. J'ai embarqué sur la glace avec Jagr, Claude Giroux. Ça c'était malade. Nice. Shit. Ça a bien été. Fait que là, je suis sorti du camp, tout avait bien été. Je suis allé à l'Armada, j'ai une bonne année. Il y a eu le lockout après la Coupe Memorial. Ça a vraiment comme tout chamboulé les plans que toute l'année, moi, j'ai parlé avec les Flyers. Puis à la fin de mon année, 20 ans, avec les Wildcats, que j'ai trippé complètement, les Wildcats, l'organisation, le A1, j'ai eu mon camp à Montréal l'année d'après, puis ça aussi, ça a bien été. Puis je pense que j'ai pas eu de chance où est-ce que je suis allé, puisqu'il n'y a pas eu de contrat disponible, mais ça a donné le même. Puis non, moi, j'ai trippé Flyers, Canadiens, j'ai eu des chances. Tu sais, il y en a qui n'ont jamais de chance. Moi, j'ai eu deux chances, puis ça n'a juste pas à donner. Fait que, as-tu une petite anecdote là, sur Jagr ou quelque chose de même? Jagr, ouais, vraiment. Parce que moi, c'était un de mes top joueurs. Jagr, sa coupe de feu. C'est mon joueur préféré. Moi, c'est Jagr depuis que je suis tout petit. C'est pas mon joueur préféré, mais juste le nom Jagr, moi, c'était une légende. Tu sais, quand j'étais en cas, je l'ai vu. Je pense qu'on venait de faire notre test physique. Puis c'était un test de malade. Là. C'était 3 minutes fond à fond. Puis. En tout cas, fait que là, je suis couché dans la chaise des docteurs parce qu'ils testaient ton niveau de globules blanches. En tout cas, à chaque une minute, ils testaient comment tu récupérais. Jagr, il rentre dans la chambre, puis là, il s'en va se faire peser parce que c'était la première journée du camp pour les NHLers. Ouais. C'est eux qui jouent dans l'équipe. Ça balance 2,60, le trainer, puis il capotait bien raide. Il les gros yeux, 2,60, il capotait, puis... Chris Pronger, tout de suite après, il était là. Lui, c'était sa dernière année, je pense, cette année-là. La même chose. Il était lourd, puis lui, il était remis en forme tout de suite, les deux sur la glace. Je riais. Ah ouais. Il y a un gars sur 260, il devait en avoir 180 dans les jambes. Ouais, c'est ça, être un gros jambon. Mais non, mais tu sais, c'est un gars en forme quand même, mais au camp, il est tellement gros, ce gars-là. Tu sais, physiquement, il est gros, puis tu sais, moi, 2,60, je pensais que c'était. Il est gras comme un voleur, mais il était en forme, puis il était peut-être un peu out of shape, mais il est 2,60, c'est impressionnant quand même pour Jagr. C'est bon. Non, ça me fait gaver. Puis à Philadelphie, j'en ai une bonne aussi. Fait que là, on s'en va au centre d'entraînement là, pour pratiquer. C'est Lehigh Valley, je pense. En tout cas, fait que là, on pratique là. Puis il y avait une Maserati dans l'entrée de l'aréna. Je sais, c'est à qui ce char-là? Ça fait une semaine qu'on vient tous les jours. Puis, tu sais, il y a une Maserati en avant de l'aréna. C'était Brice Galov qui arrivait en caravane. Puis, il avait sa Maserati parquée à l'aréna de pratique. Je suis capoté. Il est arrivé en caravane. À caravane. Puis il avait sa Maserati à l'aréna, puis il n'utilisait pas partout. Ça ne me rentrait pas dans la tête. Au cas où. Elle était toujours là, puis lui, il roulait en caravane. Donc, il a fini par se rendre touriste. C'est un spécial, ça, Brice Galov. Je l'ai vu avec cette anecdote-là. Ouais.
Par la suite, tu as débuté ta carrière professionnelle. Tu as joué quelques années là, dans la East Coast League. Oui, dans le fond, après mon année 20 ans, moi, on avait une bonne saison. Puis mon agent m'avait conseillé de ne pas signer un two-way avec une équipe pour être disponible pour toutes les équipes. Fait que je signe pas. Puis dans le fond, moi, j'avais gagné défenseur défensif ma dernière année junior. Puis il y a plein de monde qui me conseillait de signer un contrat tel puis aller dans la ligne américaine. Puis mon agent m'avait dit de ne pas faire ça. Fait que je l'écoute, je m'en vais dans East Coast. Mais après un camp à Hamilton, ça avait super bien été. J'avais joué deux games hors concours. Fait que je m'en vais dans East Coast. Puis c'est après l'année du nouveau coach. Ça n'a pas tant marché plus que ça. Moi, ouais, c'est ça, à Gwinnett. La ville, j'ai trippé. L'organisation, c'était le fun. Puis j'ai aimé ça ma première année quand même pro. C'est juste que la coche junior, que t'es, t'sais, ils t'aiment, ils veulent te développer à pro, que t'es comme un numéro, puis t'as 20 ans. Moi, ça a été difficile un peu ma première année dans East Coast. Ça a été un peu plus difficile que je pensais. Puis à la fin de l'année, j'ai eu un call-up à Hamilton pendant un mois et demi. Puis j'ai juste pratiqué avec l'équipe, mais il était dans une course aux séries. Puis Sylvain Lefebvre, moi, m'avait dit « je peux pas faire jouer parce que je respecte trop les gars pour enlever un gars qui mérite de jouer derrière un game. » Fait que pendant un mois et demi, moi, je me faisais patiner à tous les jours comme un malade. Puis à la fin du camp, ben à la fin de l'année, eux, ils ont perdu la dernière game pour pas faire les séries. Fait que il m'a dit « Tu reviens-tu? Tu veux-tu revenir l'année prochaine? » Puis tout, j'ai dit « Ben non. Hein, pendant un mois et demi, tu m'as pas donné de chance. L'année prochaine, ça va être la même chose. » Fait que je suis parti. Puis j'ai pas fini l'année à Gwinnett, j'ai fini l'année à Hamilton, mais j'ai pas joué une game en un mois et demi. Je suis en forme encore là. Parce que... ouais. Ah, il aurait fait des séries si t'avais donné. Si t'avais non, ben, tu sais, je dis pas ça. C'est juste que, tu vas un mois et demi à une place, puis tu donnes pas ta chance. Fait que, tu sais, moi, je suis allé à une autre place. Je suis allé à Wilkes-Barre l'année d'après. Puis, même chose, j'ai eu un bon camp. Un des derniers est coupé dans l'équipe. Puis, je suis allé à Bakersfield avec un de mes anciens coachs qui était Jean-François Hull. Puis, ça aussi, ça, je sais pas, m'acclimater à East Coast, c'était bizarre. Puis, ça juste vraiment. Le nombre de games que tu joues, le voyage, le transport, ça me rentrait pas dans la tête pour le salaire qu'on faisait là, dans East Coast. Ouais. Avec les Bulldogs, c'était avec un certain Maxime Massenauer, si je me trompe pas. Ouais. Ben, on s'entraînait longtemps ensemble, moi et Mace, puis Massenauer, puis on s'entendait super bien. Fait que quand je suis arrivé au camp, ben, tu sais, on se parlait beaucoup, puis. Moi, quand je suis arrivé, dans le fond, il y avait Devin Dubnyk, le Canadien, il avait pogné. Il ne jouait même pas. Là, fait qu'il était payé 4,2 millions à être dans la ligne américaine. T'sais. Fait que quand j'étais là, moi, j'ai passé mon temps avec lui. Il voulait tout le temps que je sois avec. Puis il me payait pratiquement tout. Il était tellement smart, ce gars-là. Fait que je connaissais plein de gars à Hamilton, mais c'est vraiment avec lui que j'ai passé mon temps là, à Hamilton. Mais Massenauer, je le connaissais. Puis je suis content de jouer avec encore à Laval. Ouais. Mm-hmm. Nice. Tu as été aussi à Rush City? Rapid City Rush, ça, c'est une ville en Dakota du Sud que il n'y a absolument rien à part l'équipe de hockey. Fait que t'es comme la grosse vedette de la ville, mais je ne vais pas dire un chiffre d'habitants. Mais il n'y a vraiment rien à part. T'sais, on avait une carte. Là. On était tellement big shot qu'on avait une carte 50% de rabais partout dans la ville. Partout. Est-ce que c'était au Walmart? Parce que là, il y a Sam Huot qui dit « Jonathan, pas le choix de donner le truc pour remballer une télévision pour la faire rembourser au Walmart. » Ça, c'est dans l'East Coast. Ça, avec ton salaire, l'East Coast, dans le fond, tu commences la main, tu t'achètes une télé, puis après 3 mois, tu la ramènes emballée pour te la faire rembourser, puis tu fais ça toute la main. C'est ça, le truc de l'East Coast. Pour vrai, c'est pas de joke. Ah, les gars de l'East Coast, tu t'achètes la plus grosse possible, puis à la fin du 3 mois, elle faisait pas l'affaire, je la ramène. Puis tu t'essayes-tu pour un autre télé magasin ou un autre magasin, mettons? Walmart, c'est qu'il y avait la garantie, puis il se posait pas de questions. Mais tu sais, moi, ma première année, j'étais avec Phil Harley puis Alex Belzile.
On en a profité de cette télé-là. On jouait à NHL tout le temps, puis on a eu du fun en masse. Elle faisait la télé, c'est juste qu'on n'avait pas l'argent pour la payer. T'avais une question, François? J'allais juste dire, là, c'était juste, tu parlais de la ville comme ça, qui une petite ville où s'il n'y a rien, mais à part l'équipe de hockey, c'est pas mal. Il y a beaucoup, doit y avoir beaucoup de marchés comme ça dans la East Coast, dans la ECHL, là, qui sont comme ça. Là, c'est... Dans, ouais, de... ça revient souvent, ce genre de commentaires-là. 76 000. Ah, ben regarde, c'est ça. Fait que lui, il est rapide. C'est des chiffres, Félix. Ah, ouais, attends. Ouais, ben c'est pas beaucoup. 76 000, c'est pas beaucoup. Puis c'est pas une grosse ville. Là. Fait qu'il y a comme une rue. Ben, comme à Chicago, un peu, là, la cinquième, c'est une rue. Il y a bien du monde là, mais à part ça, il y a pas grand-chose. Mais tu sais, Chicago, je vais pas y blaster. J'habite là en ce moment. Puis j'ai rencontré ma femme. Puis. Moi, Shaoui, j'ai trippé complètement. Mais non, mais dans East Coast, c'est embêtant. Je te dis, il y a des belles villes comparées. Tu sais, Orlando, il y a Fort Myers. Il y a des belles places dans la Coast à jouer. Mais ça dépend où est-ce que tu joues. Moi, à Rapid City, tu étais vraiment la vedette. Puis j'ai joué là 2 ans. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience là-bas. Là. C'est une petite ville redneck, robot, puis moi j'ai trippé à jouer là. Tu sais, le dimanche, c'était à NFL. On avait toutes des familles qui s'occupaient de chaque joueur, dans le fond. Il y avait comme un gros un encan début d'année, puis ils achetaient les joueurs. Ce fond-là, il allait à l'équipe. Fait qu'à chaque voyage qu'on avait sur la route, puis à Rapid City, le plus petit voyage, c'était 7 heures de bus. Que... Les gens qui t'achetaient, ah ouais. C'était quoi, mettons, les privilèges? Mais dans le fond, ils t'achetaient, c'était qu'ils passaient, on avait 2 soupers, je pense, organisés par l'équipe. Puis à chaque voyage, sa route, ils te donnaient un sac de goodies. T'avais une liste, fait que des bonbons, des jerky, des magazines, ils t'achetaient tout. Puis moi, le dimanche, à tous les dimanches, j'allais chez eux, puis on écoutait toute la journée la NFL, puis ils trippaient bien raide. Là. Moi, je parle encore à mon monsieur qui s'occupait de moi. Ah ouais. Celui qui t'a acheté. Ouais, non, c'est ça. C'était bizarre, mais j'ai joué à une autre place dans East Coast, puis c'était pareil. Fait que c'était pas la seule place qui faisait ça. Là. Non. Ah ben. Le voyagement à Rapid City, c'était l'enfer, comme je te disais. 7 heures, c'était Colorado. Colorado Eagles. C'était 7 heures aller, 7 heures retour. Puis on jouait tout le temps des 2-on-2 contre eux. Puis après, c'était 14h, 18h, 22h à la Lune, puis Alaska, 6h de bus, 6h d'avion. C'était fou. Gwinnett aussi, c'est pas une grosse ville. Gwinnett, c'est pas une grosse ville, mais c'était pas loin d'Atlanta. Fait que, ouais, c'est dommage. On était bien des Québécois quand j'ai joué là, fait qu'on a eu du fun. C'était l'enfer. T'sais, on a eu du fun vraiment. Alex Bézu, comme j'ai dit tantôt. Plein de gars que j'ai joué avec à. Dans ma carrière pro. Là. Fait que non, on a trippé. On a été voir des games dans NCAA, au football. Ah ouais. À Atlanta, on a eu du fun aussi. Les Bulldogs. On a comme un resort d'appartement. On a eu du fun à Gwinnett. Good. Yes. Right. Moi, je voulais savoir, après ça, t'es... Quand tu es rentré dans la Ligue nord-américaine, tu as quand même été repêché deuxième overall dans le draft par Jonker. Est-ce que la raison pourquoi tu étais repêché si haut, j'imagine Jonker devait avoir un peu la puce à l'oreille que tu t'en venais dans la Ligue, que tu avais pris ta décision d'aller dans la Ligue nord-américaine, ou ils ont pris une chance et ils t'ont convaincu? Ben moi, dans le fond, là, ça faisait comme 2 ans que je parlais. Ben, tu sais, tous les directeurs généraux, ils te demandent à chaque été, puis je voulais vraiment pas rien cacher à personne. Fait que. Moi, en France, j'ai joué 3 ans en France, que j'ai adoré mon expérience en France. Je conseille la Ligue à tout le monde. Mais dans le fond, quand ça a fini, moi, j'ai annoncé là-bas que c'était fini, ma carrière était terminée. Puis ça a donné que Jonker parlait premier, deuxième, je pense. Ils ont drafté deux défenseurs. Il y avait les deux premiers choix cette année-là. Ouais. Mais Lucien m'a tout de suite dit je vais te prendre au deuxième. C'est sûr, je te prends deuxième. Puis là, comme gars normal, je dis ah, Jonker, c'est loin. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir. Puis, fait que finalement, il m'a pris, puis j'ai adoré. Jonker, là, j'ai adoré. Ben, tu sais, depuis tantôt, je dis tout le temps que j'ai aimé mes expériences. Je suis pas chaleux, là. Mais ouais. Jonker, là, le staff,
l'organisation, là, j'ai vraiment aimé mon expérience à Jonquière. Ouais, je pense que tu as marqué aussi les fans. Il y a des commentaires dans le chat. Là, je ne sais pas si tu l'as pas trop loin. Là. Là, il y avait Stéphane Bailey qui avait écrit tantôt « Tu devrais revenir à Jonquière ». Ouais, il y a Capacin aussi, qui dit aimerais-tu revenir jouer à Jonquière? Ah, ok, ouais. Moi, c'est sûr, là, Jonquière, j'aimais ça. Puis, regarde, là, je suis à Laval, puis j'adore mon expérience à Laval. Les gars, je trippe sur l'équipe. L'année passée, on a eu une belle run en série. C'est moins loin, puis ma femme, c'est sûr que si elle a le choix entre Laval et Jonquière, le choix est quand même facile pour. Que je sois plus présent avec les enfants, ils sont de bas âge quand même. Mais Jonquière, c'est sûr que ça a été le fun. On dort à l'hôtel de temps en temps. Puis l'expérience de descendre, on a une vanne de joueurs. Puis non, c'était le fun. Ma première année, j'ai voyagé avec Kennel, Alex Kennel, puis Martin. Brodeur, fait que le grand défenseur là, qui joue au Lyon. Puis Mathieu Brodeur. Ouais, Mathieu, excusez ça. J'avais un blend, mais non, on a trippé. Là, les trois dans la van, on a eu du fun en masse. Puis l'année d'après, j'étais avec Dallaire. Fait que c'est sûr que c'est différent. Puis celui-là, à 3 à Chaoui, moi, je descends tout le temps tout seul à Laval. Fait que c'est complètement différent comme expérience, mais c'est l'équipe à Laval, on a bien du fun ensemble. Nice. Puis parlant de Laval, j'ai pas eu la chance d'en parler avec Taol Tassi. J'aimerais ça que tu nous parles peut-être un peu de Nathan Larose qui vient d'arriver avec l'équipe. Un jeune défenseur, quand même un bon pédigré, là, joué la moitié de son année dans la Ligue américaine l'année passée. Comment est-ce que tu nous parles de lui? Je pense que on voit, moi personnellement, je vois un peu déjà sa progression là, de match en match depuis le début. Là. Comment est-ce que tu le trouves comme joueur? Il est rempli de talent, ça c'est sûr. Là. Il est vraiment bon avec la rondelle, il est confiant. Puis. Tu le transpires la confiance. Là. Tu le vois que un jeune qui arrive dans une ligue comme la Ligue nord-américaine, à cet âge-là, tu te dis ah, peut-être qu'il va avoir un peu peur ou il va être moins confiant, mais pas du tout. La première game, il a bien joué. Il est super confiant, il a une bonne shot, puis il a des bonnes mains. Puis c'est vraiment la confiance, je pense, pour lui, que ça fait la différence dans son jeu. Puis comme tu l'as dit, la première game, il a fait une couple d'erreurs, puis là, ça, là il est solide, puis il joue avec Talbot Tassi, les deux ensemble, là, ça patine pas mal. Il y a eu un autre ajout cette année aussi, Loïc Léveillé, qui quand même prend sa place aussi. C'est bon parce que si on regarde les 6 défenseurs plus réguliers, ben, il y a toi, il y a Sauvé, il y a Med, puis il y a Talbot Tassi. Là, on rajoute deux recrues comme ça, là, ça doit quand même. Ça lève la brigade défensive d'une coche. Là. Il serait. Notre top 6, même quand j'ai été pro, je pense que j'ai jamais eu un top 6 aussi complet que. Dans la ligne nord-américaine, ça c'est drôle à dire, là, mais les 6 défenseurs, tu te dis, crime, c'est qui le premier, c'est qui le sixième, mais tu sais, oui, c'est Sauvé et tout, là, mais les 6, on peut jouer contre n'importe qui, je pense, puis on est super solide, puis lui avec Léveillé est solide comme défenseur, là, c'est l'enfer, puis tu sais, Larose, comme tu dis, pour voir les 6 défenseurs, là, je joue avec Medley en ce moment, puis ça va super bien, j'ai joué avec Talbot Tassi, j'ai aucun commentaire. Pour vrai, notre top 6, on est solide, vraiment solide. Puis, pour vrai, je prendrais ces 6 défenseurs-là, n'importe. Tu sais, mes 6 années pro, j'aurais pogné ces 6 gars-là, puis on aurait été pas pire, je pense. Vite, tantôt sur tes années en France là, avec Amiens. Je suis curieux, là, tu nous as parlé de l'expérience d'être à Rapid City dans un petit marché comme ça. C'est quoi l'expérience? De jouer au hockey dans une ville en France comme ça. En Ligue Magnus, c'est quand même une bonne. C'est la plus grosse ligue en France, c'est une ligue très reconnue. Comment tu as trouvé ça? Ben, la comparaison, là, dans le fond, moi, quand j'ai fini ma dernière année East Coast, que j'ai passé l'année complète dans East Coast, je me suis dit, c'est sûr que je reviens pas dans East Coast. C'est fini, je m'en vais en France, il y a moins de games, puis tu es payé plus pour rata, puis tu voyages moins en tout cas. Là, j'arrive en France, puis moi, j'avais signé à Brest. Ben, la Magnus, ça a tombé à 44 games à place de 26. Puis Brest, où est-ce que j'avais signé, ils n'ont pas voulu monter à 44 games. Fait que mon contrat, je l'ai résilié, puis j'ai signé à Amiens, puis ça a tombé que ça a été une des meilleures choses qui m'a arrivé, puisque je suis allé rejoindre, on était 6 Québécois, je pense, à ma première année, Joël Champagne, Maxime Legault,
Mathieu Brisebois, il y avait moi. J'ai eu du fun cette année-là, c'était l'enfer. Puis on est tombé dans l'équipe. L'équipe, ça faisait 50 ans, je pense qu'il avait l'équipe à Amiens. Puis c'était vraiment une ville d'hockey pour la France. Là. C'est une des équipes que je pense que la plus longue histoire d'équipe d'hockey, c'était Amiens. Fait que quand je suis arrivé là, j'ai trippé. Puis Mario Richer, ça a été un des bons coachs pro que j'ai eu. Fait que moi, puis lui, ça a cliqué. Je jouais à Champagne aussi, puis on l'a perdu l'année d'après. Fait que l'année d'après, on a comme changé notre formule pour être plus compétitif en France. Fait que on a changé une couple d'affaires, puis on s'est vraiment amélioré l'année d'après. Puis mes deux années d'après, ça, on était top 4, top 3, je pense même. Tu étais le capitaine, puis, je pense. Hein? Ouais, j'étais capitaine, ça a donné, mais. C'est qui l'entraîneur que tu as dit? Parce que ça a coupé, je pense. Mario Richer. Ah, Mario Richer, oui. Oui, ouais, Mario Richer, que ça a été vraiment. Mon préféré, entraîneur pro, ça a été mon préféré. Ça a vraiment cliqué avec. C'était vraiment mon style comme junior. Là. Tu en donnes, il t'en donne. Puis j'ai vraiment appris, puis j'ai eu du fun avec lui. Là. C'est un bon coach. Puis les joueurs là-bas, tu sais, j'ai joué avec Tommy Giroux, Phil Harley, que. Tu sais, dans East Coast, on a joué ensemble. Tommy Giroux, je le connaissais. Puis. En France, c'était dominant, puis il joue encore en France. Là. Puis on a gagné une première Coupe de France dans l'histoire de l'équipe, puis on a eu du fun. Ah ouais, après tout ce temps-là, c'était la première? Ouais, la première le premier championnat de l'équipe, je pense. Puis la première Coupe de France de l'histoire de l'équipe. Fait qu'on a eu un bon traitement dans la ville. Mes 3 ans, j'ai eu du fun. Ça a 3 belles années. Hein. Les dieux du stade à Amiens, après le championnat. Peut-être pas là, mais on était vraiment... Les clés de la ville. J'avais créé comme un programme, comme à Rapid City un peu, avoir des rabais dans la ville avec des business. Puis ça, le monde embarquait, puis ils trippaient bien raide. Là. Ah, ouais. Ouais, j'avais essayé de faire de quoi de gros. Là, puis, moi, je joue mon enfant en France, fait qu'il est français. Fait que j'ai comme un lien avec Amiens. Ça finit, tu sais, je vais y retourner, c'est sûr, dans pas long. Là. Il y a un Français qui t'a acheté aussi là-bas, là, c'est ça? Non, mais non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Mais j'ai eu des gros liens d'amitié avec des couples de fans, des Français que je jouais avec. Là-bas, c'est comme dans East Coast. Là, tu pognes des vieux joueurs comme dans East Coast. Là, fait que, des enfants, des couples d'amis qu'on a eus, on est encore vraiment proches. Fait que depuis ce temps-là, tu as du saucisson et des bouteilles de vin une fois par année? Ah non, c'est ça, mais quand ils viennent, j'ai eu une couple d'amis qui sont venus passer des semaines en vacances, puis des bouteilles de vin, puis non, c'est bien le fun. Ça a coupé un peu. 3 ans en France, tu as gagné le championnat. C'est-tu la troisième année que tu as gagné le championnat que tu as décidé de revenir, dans le fond, que tu trouvais... que ton aventure là, en Europe tirait à sa fin, tu l'es revenu au Québec, comment que ça s'est passé? Ça s'est passé, je te dirais que je ne savais pas que je voulais arrêter, puis quand on a gagné, ça n'a absolument rien changé de ma décision, puisque j'avais déjà parlé à ma job, puis eux, ils cherchaient des nouveaux employés, puis ça a juste à donner qu'avec l'enfant, mon enfant, il n'y avait pas de garderie, ma femme, elle ne travaillait pas, puis je trouvais que ça n'avançait plus... Tu n'as pas un salaire de millionnaire là, en France. Là. C'est un bon salaire, mais c'est pas pour le temps que tu y mets, c'est un très bon salaire. Mais je trouvais que je pouvais travailler plus pour faire plus d'argent puis avancer ma carrière professionnelle plus à revenir au Québec qu'en France, puisque j'avais des bonnes discussions de signer un contrat à long terme en France. Puis dans ma tête, je savais que je voulais revenir au Québec. Puis je suis vraiment proche de ma belle famille, de mes parents, puis on dirait que je les privais de mon enfant, que tu sais, ils pouvaient pas le voir tout le temps, puis je sais pas, je m'ennuyais du Québec, puis je savais que j'allais pouvoir jouer au hockey au Québec. Fait que, tu sais, la carrière pro, ça m'a pas fait de la peine du tout à arrêter, mais je savais que j'allais jouer au hockey, mais j'étais prêt à arrêter à jouer pro. Là. OK. On est-tu prêt à aller peut-être à quelques petites photos, les boys? Ben oui. Que j'en ai montré quelques-unes, là, mais ici, on dirait que tu te fais interviewer par la mascotte, mais je pense par la madame dans l'avant. Là, avec les... Un alien, la mascotte, c'est quoi la mascotte? On dirait gargouille. Une gargouille, OK. Non, en fait, c'est...
C'était quoi le nom d'équipe à Amiens? Les Gothiques. Les... Ben, dans le fond, c'était les Gothiques okay. d'Amiens. Fait que c'est pour ça que ça a donné le même. Mais ça, c'était vraiment tout de suite après avoir gagné. Puis on jouait à Paris, cette game-là, la finale de la Coupe de France. Puis c'était malade, là, l'ambiance là, en France. Puis en Amérique du Nord, c'est pas pareil. Là, en France, ils chantent toute la game. Ils t'encouragent. Puis tu sais, aux États, quand tu joues ben, en Amérique du Nord, tout le monde écoute. Puis t'entends juste des « ouh ». Puis en France, ils chantent, puis ils ont des chants d'équipe, puis t'as ton groupe de fans, puis nous, c'est une rangée complète. Je sais pas si vous avez vu des photos. Les ultras, un peu. Les ultras, exactement. Puis eux, toute la game, ils chantent des chansons, puis ils encouragent, puis c'était mon goal. Tu sais, il y avait bien du monde à l'aréna, puis je pense que c'était à Bercy. L'aréna, c'était à Bercy, puis c'était plein. Tu sais, il y avait bien du monde, puis... C'était fou. Pour vrai, ben, comme la Coupe Memorial, tu sais, j'étais chanceux avec la Coupe Memorial. Ça aussi, c'était fou. Là. C'était un aréna à 5000 places. Il y avait peut-être 7500, 8000 personnes à Coupe Memorial. Fait que, ça aussi, c'était malade. Si vous pouvez peut-être, les boys, parler en attendant, j'ai du ménage à faire dans les commentaires. Je peux continuer, dans le fond. vas-y. Toute ma carrière, juste pour dire, j'ai tout le temps été dans des équipes gagnantes. Junior, j'étais dans des équipes gagnantes. J'ai gagné des championnats. Je suis vraiment chanceux. des belles expériences, j'en ai eu. Puis c'est fou. Là. Mais tu parlais que ça chantait à Laval aussi, ça chante, là, Nick. Oui, à Laval, oui, ça chante aussi. Ouais. À Laval, là, pour vrai, là, c'est une belle ambiance. C'est fou de jouer à Laval. Là. Tu sais, l'atmosphère qu'il y a à Laval, là, on chante Nick Berthier. Mais pour vrai, l'ambiance à Laval, là, c'est si tu me dis la ligue, la résumée, en quelques mots, c'est « viens voir une game à Laval ». C'est exactement l'ambiance de la ligue. À transpire à Laval. Les fans sont là, sont bruyants. Ils veulent du hockey d'énergie. Ils veulent que ça frappe, ils veulent que ça se pogne. Puis la ligue, c'est ça, tu sais. Puis ça fonctionne. Puis à Laval, ce mélange-là, les fans sont c'est des fans d'hockey, puis ils aiment ça, le jeu robuste. Puis notre équipe a transpire ça. Fait que, résumer la ligue, va voir une game à Laval. Ça résume bien la ligue. Nice. Bien dit. Puis, dans le fond, je voulais savoir, ben, t'avais-tu d'autres photos, Seb? Ah, ouais. Ben, dans le fond, t'en as parlé un petit peu, ben, il y avait beaucoup de photos de hockey, là. Tu sais, si je dois résumer, là, ton Facebook, je pense qu'il y avait peut-être 500 photos, il y en avait 490 de hockey, là. Il y en avait un autre aussi que c'était sur des marches de je sais pas quel bâtiment avec la coupe, probablement à Amiens aussi. Oui, c'était à l'hôtel de ville. Dans le fond, tous nos fans étaient devant nous, puis ils ont fait un clapping, là, comme on dit en Europe, là, les claps. Puis moi, il fallait que je fasse un speech à nos fans, puis il y en avait pas mal. Puis, tu en as parlé un petit peu à travers l'entrevue, mais j'ai gardé une photo de mon mariage. Je suis marié, ça fait 5 ans cette année, j'ai 2 enfants. Puis, comme je disais tantôt, dans le fond, là, si je serais en France, ça ne serait pas ça. Fait que, tu sais, je suis choyé comme personne, je ne peux pas me plaindre. Je joue au hockey fin de semaine, j'ai ma femme, elle s'occupe des enfants, une mère exemplaire. Puis j'ai une bonne job. Tu sais, c'est mon mariage, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Puis mes enfants après. Là. La vie est belle. Ah ouais, ben, je peux pas me plaindre. Je le dis depuis tantôt, là, je peux pas me plaindre. Puis j'ai une petite photo ici là, quand tu jouais avec le junior à Montréal. Là, pour les nostalgiques. Ouais, ça, c'est une vieille photo avec le neck guard aussi, qu'on était obligé de porter avec tu roulais en saucisson là, dans ton cou. Là. à Montréal, moi, j'ai eu du fun. J'ai joué avec Xavier Ouellet, des bons joueurs. J'en ai joué toute ma carrière, j'ai été avec des bons joueurs. Puis à Montréal aussi, c'était un peu comme Laval, un peu l'ambiance à Montréal. Là, la vieille aréna, l'auditorium de Verdun, c'est vieux. Puis ma deuxième année, on était avec des méchants bons joueurs de hockey. Louis Leblanc, l'année avec Louis Leblanc, on a fait une centaine de points dans le classement. Puis... On avait une méchante belle équipe de hockey, une bonne machine. T'as joué avec David Rose aussi, je pense. David Rose, ouais. David Rose.
je sais pas si vous connaissez tous les joueurs, là, mais tu sais, Xavier Wallace a été un des bons à Montréal qui a joué là. Mm. Ma première année, je suis arrivé, il y avait Jake Allen, comme duo de gardien, Jake Allen, JF Bérubé, c'est un méchant bon duo de gardien. Charles-Louis Roussel, il y avait Francis Meilleur, Hubert Genet, je sais, des gars qui ont joué dans la Ligue un peu. Mais c'est Pouliot aussi qui est devenu dépisteur là, dans la NHL. Ouais, Raphaël Pouliot, on est encore vraiment proches. Moi puis lui, on s'entendait vraiment bien. Il a même fait le switch à l'Armada avec nous autres. Lui sort avec un gars, avec la fille d'un gars avec qui je travaille. Fait que, des fois, il vient à l'usine juste pour me voir. On se parle de temps en temps. Non, il y a une couple de gars. On a une bonne équipe cette année. Eliezer Sherbatov, je pense, a joué aussi avec le junior. Je ne sais pas si c'était dans tes années. Ouais, puis il est parti, je pense. Il joue en Europe cette année-là, puisque Pascal Vincent, je pense, ça ne cliquait pas tant. Puis, ouais, c'est déjà dit que ouais. Il a pas dans la face. Il a commencé à jouer avec une cage, puis là, il a commencé à pas jouer. Puis je pense qu'il est parti tout de suite en Europe. Il avait son passeport. Mais Sherbatov, moi, ça fait longtemps que je le connais. Puis on a joué ensemble, Pee-Wee, Bantam. Ah ouais. On a joué ensemble longtemps. Puis, je lui ai envoyé un message à notre première game. Ça faisait peut-être 10 ans qu'on ne s'avait pas vu, 10-15 ans. Fait que, on s'est parlé un peu, puis il s'est fait mal, là, je pense, à la première game. Fait que, je voulais savoir si c'était correct, puis on s'est reparlé à Laval. Puis... Nice. Ça, à Shawinigan, là aussi, là, je ne sais pas si tu peux me dire ou me confirmer, mais j'allais faire un bout dans ce coin-là il y a 2 ans. Puis il y a la route des bières aussi là, dans ce coin-là. Il y a pas mal de microbrasseries. Il y a pas mal de microbrasseries, mais moi je suis un gars de bière en plus. Fait que là, c'est pour ça que tu as déménagé à Chaoui. Ouais, là je fais moins d'exercices depuis que je suis dans la ligue, là, mais la bière, j'aime vraiment ça. Puis non, le trou du diable. Je pense qu'il y a la brasserie à Dave Hamel aussi, là, ça, à Bécancour. Là, dans ouais, Bécancour. Nice. Okay, il y a une couple de micro-brasseurs, moi, au brasseur, puis je suis choyé. Là. C'est une belle place pour boire de la bière, puis c'est tranquille. À Chaoui, ça arrive Willow. Là. Centre-ville de Chaoui, il n'y avait pas grand place, mais c'est tranquille, puis c'est une belle place à vivre. Mm. Yes. Donc, Dave, as-tu peut-être tes questions à Raphaël? Les questions, les effets, je pense que tu étais là vers la fin de l'entrevue à Dom, fait qu'on va faire le même petite ronde de questions pour toi. Fait que pour apprendre à mieux te connaître, donc on va commencer. Ton idole au hockey? Moi, depuis que je suis jeune, c'était Lindstrom. Je capotais sur lui la série avec Pittsburgh, tout. Je le regardais jouer, je capotais. Puis Lindstrom, de loin. Puis j'aurais dit, quand je jouais puis au Québec, j'avais dit Éric Desjardins. Au joueur, je me compare, puis mon père l'avait pogné, puis il avait dit que c'était mon joueur préféré, fait qu'il était venu me voir, ça avait parlé longtemps, fait que Lindstrom, vu qu'il est vraiment un bon joueur, puis Éric Desjardins, vu que c'était vraiment une bonne personne. Ouais, c'est ton athlète préféré en dehors du hockey? Lionel Messi, je suis très bête sur ce gars-là, je le suis sur Instagram, je suis une groupie, là. Je le suis... Quand il signait au PSG, je capotais. Quand j'étais en France, moi, je manquais pas une game de soccer. Là. Tous les soirs, j'écoutais ça. Okay. Puis... Nice. Mais Messi, là, que, ouais, vraiment, la personne, tout ce qui est autour de lui, là, qu'est-ce qu'il a accompli, ouais, c'est fou. Là, tu dois suivre ça pas mal. Là. C'est pas mal. C'est pas sa dernière. C'est proche d'être sa dernière. Là. Ben, c'est la Coupe. Là, la Coupe du Monde. Ouais, c'est la dernière Coupe du Monde. Ouais, il n'y a jamais. Ben, puis. Il y a des rumeurs de. Là, je te dis des scoops et tout. Là. J'ai vu les rumeurs qui viennent de la MLS. Ouais, fait que là, j'ai l'air d'une groupie marade, mais non, sa dernière Coupe du Monde, je pense. Puis il commence à être vieux un peu, mais tout ce qu'il a compris, c'est fou. Ouais. Il produit encore là, des coupes de gros gars. Ben, au PSG, l'année passée, ça n'a pas tant bien été. Puis là, cette année, il score tout le temps, puis avec Mbappé, puis ça fonctionne, Neymar. Fait que non, ça. Ils vont battre les Pays-Bas. C'est Pays-Bas. Ouais. Fait que c'est jeudi ou mercredi la game. Ouais. Jeudi, je pense. Jeudi. Ben, la Coupe du Monde, moi, j'écoute toutes les games, mais c'est sûr que c'est un gros tournoi. Là, puis, même Ronaldo, puis j'aime vraiment ça, le soccer. Les gros événements de soccer, j'aime ça, écouter ça. Nice. T'as-tu une routine d'avant-match? Soccer.
Soccer, je suis un fan fini avant la game en France. On était l'équipe au complet qui jouait, puis c'était intense, plus que la game quasiment. Xcos, Junior, à Laval, soccer, même à Jonquière, on était intense en Calvin au soccer, là, mais à Laval, on joue aussi. Puis moi, c'est soccer. Le plus longtemps que je peux jouer, mieux c'est. T'es-tu un peu l'homme à battre au soccer à Laval? T'es-tu le meilleur que toi? Mettenauer, c'est le Lionel Messi. Hein. Quelle déception de oui. Ouais. Ouais, ouais, Nick, il joue-tu avec vous autres aussi, des fois? Qui ça? Nick, il joue-tu avec vous autres des fois aussi? Non, il est jamais venu. Puis il nous manque des joueurs cette année. Là. On n'a pas beaucoup de joueurs de soccer. Là. Mais que j'aille le voir, mais vendredi, il m'enlève voir Nick, je vais vous l'envoyer. Ben, tu viendras jouer avec nous, François. Ah, François. Ça fait un peu longtemps, mais. Il paraît que c'est bon pour la voix. Mais Senauer, c'est le gars à battre, puis il est vraiment bon. Alors, ton coéquipier le plus drôle. Je veux pas copier ta botte assise, mais Medley, il est drôle, hein, vraiment drôle. Mais Sauvé, je pense. Sauvé, j'aime bien son humour. Là. Il est sarcastique au bout. Là, puis, c'est mon style d'humour, là, sarcastique. J'aime bien ça. Puis, Sauvé, puis moi, je l'aime bien. Parfait. As-tu un coéquipier que tu qualifierais de plus en désordre? Plus en désordre? Ben moi, je m'assieds à côté de Paquette, puis ça... Toutes ses affaires sont de mon bord tout le temps, fait que je vais être obligé de dire son nom, là. Mais en désordre, ouais. Hammer, c'est un bon choix, là. Hamelin, c'est un bon choix, mais moi, Paquette, vu qu'il est assis avec tout le monde dans le dessert, il a tout le temps ses affaires sur mon bord. Mais au moins, il n'est pas là entre les périodes, là. Il est assis dans ses affaires, là. Il se focus, là, mais... En t'en allant à la fin de la game, là, y a-tu des fois un de ces gants qui s'est retrouvé dans ton sac et t'es retourné chez vous, ou... Non, moi, j'ai jamais rien volé. Le meilleur joueur avec qui tu as joué? À Junior, là, j'ai joué avec Dimitri Askin. C'était une machine, ce gars-là. C'est l'enfer. Je pense qu'en 42 games, il y a eu 99 points. Wow. C'était une machine. Il était gros, il se pognait, il se frappait, il scorait. C'était une machine. Dimitri Askin, là, c'était un des bons. Puis... Je vais essayer de penser à un autre. Ben, défenseur, mettons, Xavier Ouellet, défenseur, le junior, il était solide. Là. Mm-hmm. Puis après, non, Yaskin, ça a vraiment été le top que j'ai joué avec. Là. Ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine jusqu'à présent? La même chose que Tassie, ça n'a pas été long. La première année, ça a été fini à cause de la COVID. Il y a eu le COVID. Puis la finale l'année passée, ça a vraiment été beau. Puis ça a mal fini, mais. Comme tu as dit, je pense que c'est un bon souvenir qui a mal fini, mais c'est quand même un bon souvenir de se rendre en finale dans cette équipe. Ouais. Pour faire différent, y a-tu un moment dans le parcours en particulier? Dans le parcours, première ronde là, contre Jonquière, là, je pense peut-être que tu pensais à ça. Là. Mais moi, je pense j'aurais donné ma paye de toutes les games pour battre Jonquière. Fait que, tu sais. Je pense que quand j'ai été tradé, moi, j'étais le premier surpris. Là. Je ne m'attendais pas à être tradé du Jonquière. Là. Puis, j'ai compris la trade complètement. C'est pas que là, que c'est une machine, puis il est vraiment bon. Puis, quand c'est arrivé, j'ai dit à Lucien puis à Pierre, j'espère que vous attendez pas à avoir été chercher un gars qui est comme Pocoloc. Je ne suis pas un gars comme lui, pas du tout. Là. Puis, non, il m'a rassuré tout de suite. Puis, il a dit qu'il avait besoin de plus d'un gars défensif. Puis, moi, j'ai accepté mon rôle tout de suite. Là. Je fais attention défensivement, puis j'amène ma game à moi. Puis, comme que Tabat Tassi disait tantôt, tu sais, quand j'étais plus jeune, oui, j'allais plus à l'attaque, puis j'ai eu des bonnes statistiques, mais depuis que je suis pro, j'accepte plus un rôle, puis ça me remplit pleinement personnellement. Là, puis, battre Jonquière, ça a vraiment été le fun, là, c'est sûr. Pierre, il a dit qu'il faut que tu amènes ta game dans la game, c'est ça? Ça, c'est un très, très bon proverbe, ça. On va pas préférer. L'année passée, quand je suis arrivé, juste pour en rajouter, j'étais avec Bureau Blais, puis Bureau Blais, c'était une machine. T'sais, du talent pur de même, j'ai rarement vu ça. Puis j'ai compris tout de suite que le gars offensif, ce duo, c'était lui. Fait que, non, défensivement.
j'acceptais mon rôle. Puis j'ai tout le temps joué toute ma carrière, j'ai joué contre les Marlins au bord. Fait que avec Bureau Blais, on était capable de faire ça, puis on le faisait très bien, je pense. Fait qu'on se complétait vraiment bien. Puis cette année avec Medley, on commence à former une chimie, puis ça s'enligne pour ça aussi. Fait que moi, les statistiques, ça. En autant qu'on gagne les games, moi, je suis bien content. Ton repas préféré? La pizza. Pizza aussi, je pense que c'est ce que Talbot Assis a dit. Ouais. Je fais un podcast, c'est la pizza. Là, fait que, ah ouais. Ben, un podcast à pizza, j'aimerais savoir. Parle de pizza pendant une heure de temps. Ouais, c'est Dave Portnoy, là, El Presidente. Là, je sais pas si tu as déjà vu. Il rate toutes les pizzas dans les villes qu'il va aux États-Unis. Là. Ah, ok. Moi, je l'écoute. Puis à job, là, c'est tranquille quand même à ma job. Là, fait que je peux quand même écouter des vidéos de temps en temps. Là. Fait que non, je me garde. Puis ça me donne faim tout le temps. Fait que... La meilleure pizza au Québec, selon toi? Ça, c'est une bonne question. Bonne. On en fait de la bonne à Shawi, fait que je vais y aller local. Olympique, là, c'est un resto ici qui fait de la bonne pizza. Fait que... Good. T'as prêché pour ta paroisse, c'est bon. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, je suis rendu un gars de Shawi. Ton film préféré, tu... J'ai un film d'acheter dans ma vie sur iTunes. Tu sais, quand t'étais jeune, t'achetais des films sur iTunes, là, t'achètes plus ça. Ouais. C'était Longest Yard. Okay. Avec Adam Sandler, là, avec l'équipe de foot. Je joue à l'avoir écouté 150 fois ce film-là. C'est fou. Dans le fond, c'était mon seul film que j'avais sur mon iTunes. Puis, tu sais, Junior, tu gagnes pas une scène. Puis, c'était la seule chose que j'avais sur mon iTunes. J'écoutais ça. Puis, si c'était pas le film, c'était David. C'était un des deux. Si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Humoriste aussi, je pense, Jim Carrey. Jim Carrey, tous les films qu'il a fait quand j'étais jeune, des classiques, puis c'est sûr que ça serait lui, Jim Carrey, ouais, je pense, je suis prêt à aller voir. Nice. Des réponses d'humoriste aujourd'hui, c'est bon. Ben ouais, c'est bon. La musique, j'aime ça, mais en show de musique, jamais. Je suis pas un gars de... Je suis un gars de quand même assez tranquille, puis ma femme, elle veut aller à des shows, fait que ça, non, moi, pas de show de musique. Show d'humour, je trippe. Être assis avec une petite bière, non, c'est parfait. C'est bon, good. Ça. Ok, c'est bon. Fait que, en terminant, peut-être un peu la même chose que Talbot Tassi, le gros match vendredi contre Sorel Tracy. Une bonne rivalité. Mais ça me fait penser, ton premier match, toi, c'était-tu le match d'ouverture à 2019 à Sorel? Fait que toi, il y a une bataille générale dans ton premier match dans la Ligue nord-américaine. Ouais, c'est ça. Ouais, hein? ça va être de fun, tu sais. Puis je pense que le commissaire de la Ligue, juste avant la game, il parlait qu'il ne voulait plus de bataille générale, c'était fini, puis tout. Fait que là, j'étais OK, tu sais. Je pense qu'en première période, le goaler se fait frapper, bataille générale, j'étais épelaille. Ouais, fait que je pense que cette game-là a fini à minuit et demi. Je capotais, ben là. Ouais, ça avait été long, mais ouais, c'était. Mais bataille générale, ouais, ça m'avait quand même marqué commencer l'année de même. Là. Le parquet, je pense que ça avait battu avec trois gars. Ah ben ouais. Ouais, ben c'était un peu. En tout cas, il a fait partie de comment c'était parti. Là. Je me rappelle, là, c'était. Étienne Brodeur, il avait comme un peu rentré dans le jardin. Fait que Diaby était allé le voir. Puis là, ça avait comme parti là. Puis Bourque, je pense Bourque, il était en train de se pogner sur le brise-bois. Puis là, Paquette, à cause de ça, il se pognait sur Gadou. En tout cas, la merde. C'était flou un peu. Là, mais toi, tu l'as vu d'un point de vue extérieur. Fait que tu l'as sûrement mieux vu que moi. Là, mais. Ouais, ben, moi, je me souviens juste que les blancs sont clairés, puis ça va brasser, tu sais. Puis il me semble que Renaud était là aussi, le commissaire, à l'époque, il était sur place, Était sur place, puis c'est lui qui avait dit qu'il ne pouvait plus rien savoir de la bataille générale. Je pense qu'il l'avait dit, sur TV LNH, genre en avant-match, parce que je me rappelle, cette journée-là, on avait toutes fait des avant-matchs plus longs, là. Mais je me souviens de ça, je me souviens d'avoir vu. Moi aussi, je me souviens de l'avoir entendu, puis j'ai écouté des affaires après, puis j'en veux pas, puis tu sais, ça arrive, cette game-là. Fait que... Bonne entrée. Là, si on regarde les feuilles de match, dénominateur commun, nouveau joueur qui est arrivé, Jonathan Narbonne, ben là, il y a une bataille générale. Ça doit être ça. C'est ça. C'est tout à cause de lui.
C'est qui ce gars-là? Il faut dire que l'année d'avant, il avait joué deux séries contre. Là. Je pense qu'il y avait, avait beaucoup d'agression refoulée dans ces deux équipes-là quand ils s'étaient pognés. Ben, tu le sentais, je pense. Même Jonquière, Sorel, Laval, Sorel. Sorel, ben, ils ont une bonne équipe et leur identité, tu la vois tout de suite. C'est une équipe qui frappe, qui sont intenses, puis surtout à la maison. Fait que... notamment à Jonquière, puis à Jonquière à Sorel, puis tu sentais déjà que ça allait être une game intense, puis ben, c'est les plus fun, fait que je peux pas me plaindre. Ces games-là, moi, je trippe ben, là, du jour hockey pour des games de même, fait que quand je suis arrivé là-bas, tu savais que ça allait être électrique, puis c'est ça qui est arrivé. On parlait du match de vendredi, quand même, quelques anciens coéquipiers des Marquis de Sorel, des Marquis de Jonquière qui sont maintenant avec Sorel. Ouais, ton ancien compagnon de. Ben, bon, je n'ai rien annoncé, là, mais en tout cas, ça, il y a des chances qu'Alexandre Kennel joue vendredi, là, parce que c'est un match à Laval qui n'est pas trop loin de chez eux, puis qu'il est mal loin également. Ouais, Alex Kennel, moi, c'est une très bonne personne, ce gars-là. Là. On a lifté ensemble toute la première année là, à Jonquière, puis. Oh. Oups, ça a coupé. Ça a coupé. Ça a bugué. Ok, je pensais que ça a bugué dans l'écran. Là. Mais en Danemark loin, moi, j'ai trippé dessus à Jonquière. C'est vraiment c'est un bon gars. Il est drôle. C'est un gars idéal pour dans une chambre d'hockey. Puis Jim Marloin, on a joué ensemble dans la cause. Puis c'est un leader. Puis un gars de la ligue, là, c'est un gars de la ligue. Là. Il frappe. Ça ne le dérange pas de se pogner. C'est un bon joueur. Il score. C'est un gars de piqué. Des gars dans la ligue, là, des vedettes de la ligue, je pense que c'est Jim Marloin, Dan Marloin, c'est des gars qui amènent du monde dans les estrades. Puis Alex Kennel, c'est juste qu'il est tellement bon que ça aussi, c'est bon pour la ligue. Ouais. Good. Fait que c'est bon. Moi, j'ai hâte à ce match-là. On va être. Ben, tu sais, on sait que les fans vont être là, puis ça va être brillant. Fait que. Une game contre Sorel à Laval, là, ça va être malade. Puis c'est sûr que les fans, ils vont être là. Puis comme que je pense que Tabatassi disait tantôt, on a des mauvaises périodes des fois, puis c'est normal avec les gars qui ont tous des jobs. Là. Mais on se le dit dans la chambre, là, puis aussitôt que tu fais quelque chose, une mise en échec, ou tu sens l'énergie monter, puis ça nous transmet cette énergie-là. Fait que c'est ça qui est le fun de jouer à Laval. Là. All right. En tout cas, j'ai hâte à vendredi. Grosse partie en perspective. C'est tant des bonnes games. J'ai hâte de voir ça. Là. Parfait. Merci, Jonathan, pour ton passage là, sur le podcast. Une bonne entrevue. Une bonne entrevue. Un bon petit talk. Quelques anecdotes également. savoureuses. Ça sent ça, pas le choix, mais hey, ben, comme Tabatassi a dit un peu, hein, vous faites une bonne job. Puis la ligue, je pense qu'elle mérite de se faire voir, plus que. Il y a du monde à l'estrade, mais c'est tellement un bon calibre de hockey que moi je pensais arriver, puis ça allait être moins pire, mais ça joue du hockey vraiment, c'est intense. Il y a des méchants bons joueurs de hockey, puis vous qui encadrez la ligue de même, méchant de bel job, les gars, puis continuez comme ça, c'est une très belle expérience. Je pensais vraiment pas qu'il allait avoir ce niveau-là. Puis chaque équipe, ils ont des gars de communication. Tu sais, je pensais arriver, ça va être une semi-ligue de garage. C'est pas ça pour tout. C'est une ligue organisée. Il y a des équipes pro qui enviraient ce que vous faites tous les jours, puis avec ce que vous faites, vous faites une belle job. Fait que merci à vous autres. Yes, sir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Puis je vais aller vous voir vendredi pour le soccer. Mais parfait. Je fais pas de promesse parce qu'en veston avec les souliers propres, là, ça risque d'être un petit peu. Ça sera pas trop. C'est ça. C'est mieux que les gogoons. Que... Ouais, on va voir. Prends tes souliers là, pour l'occasion. Ben, c'est renupier comme les Brésiliens. Ouais, c'est ça. Ouais. J'en ai deux paires, si tu veux. J'ai une paire au cou qui déchire, moi, c'est sûr, je joue. Fait que j'ai deux paires de souliers. on verra ça, on jasera de ça. C'est bon. Okay. Hey, salut les gars. Merci Joe. Bonne soirée puis bonne saison. Yes, à vous autres aussi. Salut. Salut. Ciao. All right. Deux bonnes entrevues. Je vais remettre l'image et voilà. Fait que ça, on va. Là,
commence déjà à se faire tard, mais je voulais parler un peu là, du sujet là, de la petite entrevue à Barry parce que c'était le fun. Là. En tout cas, pour ceux qui sont encore là, qui nous écoutent, là, dans le fond, ce que Bobby Barry a dit après le match de samedi, donc un match samedi 3L contre Rivière-du-Loup. Bob Barry, après le match, a dit les 3L ont dû faire 4 mises en échec dans le match. Il dit, si on joue juste contre ce club-là, c'est un club d'aréna, il ne restera plus de monde. Donc, en tout cas, un genre de citation à la Bobby Barry là, qui fait réagir. Puis Fabien Dubé de répondre qu'il ne voulait pas trop s'embarquer là-dedans, mais que il y a quand même eu deux combats. Les 3L ont quand même donné deux combats à Thetford Mines, qui est à peu près l'équivalent de tout le nombre de combats qu'il y avait eu à Thetford Mines depuis le début de la saison. Ce qui n'est pas faux, parce que c'est vrai qu'à Thetford Mines, il n'y a pas vraiment eu de combat depuis le début de la saison, si on regarde les stats. Ça, fait que, je trouve que c'est de bonne guerre. Puis en même temps, je pense qu'il y a un petit peu de frustration du côté de la Fiorentina. On n'a pas le début de saison qu'on aurait peut-être espéré. S'était replacé dans les dernières semaines quand même. Là. Mais, ouais, mais c'est une victoire dans les 10 derniers matchs. En deuxième, ouais. Quand même, ça se replace. Mais tu sais, deuxième, comme Dominique a dit tantôt, tu le vois là, il y a quand même encore juste 6 points entre la première et la 7e place. Là, fait que c'est ça. T'sais, on a beau être deuxième, parce qu'au côté de Thetford, on est à 3 points, on est avant-dernier. Puis tu sais, l'autre chose aussi, c'est que je pense que Rivière-du-Loup, un peu, c'était un peu l'expression jouer un match de route. Là. Quand tu vas à Thetford Mines, tu n'as pas intérêt. Puis, je sais, je suis proche de Sorel. Je sais, c'est le mot d'ordre dans la chambre. Tu n'as pas d'intérêt à ouvrir les choses, à essayer d'en donner à l'autre équipe pour faire monter l'intensité ou essayer d'ouvrir le jeu. Là. Fait que c'est sûr que les 3L n'ont pas intérêt à faire ça. C'est un peu à. L'assurance va avoir ce match-là, c'est un peu à eux de mettre ce tempo-là. Mais moi, ce que j'aime ça, ce genre d'affaires-là, parce que, tu sais, automatiquement, on a un engouement pour le prochain match Thetford-Rivière-du-Loup, que ce soit à Thetford ou à Rivière-du-Loup. Puis c'est sûr, mais que Rivière-du-Loup revienne à Thetford également. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, ce genre de citation-là. Mais je pense qu'il y a un peu le mot, c'est pas le mot d'ordre, là, mais le feeling chez Thetford, j'ai beaucoup aimé la citation de Tommy Lafontaine, le capitaine, après le match. Là, juste pour le dire, dans le fond, il dit « je vais en parler ». Ce que Tommy Lafontaine il dit « je vais en parler tout de suite, mais après ça, je ne vais pas en parler ». On va arrêter de regarder dans le passé, on va regarder ce qui s'en vient parce qu'on ne joue pas du gros hockey. Il dit « tout le monde le sait, tout le monde le voit ». On le sait nous aussi, puis on va se pencher là-dessus. Fait que je pense que... assez clair. Là. Je pense que du côté de l'assurance, on ne trouve pas qu'on joue comme il faut. Puis ça, je pense que c'est ça. C'est peut-être un peu de frustration qui a mené à ça. Puis, Le prochain duel entre les deux équipes, c'est vendredi le 23 décembre. Donc, on va voir quelle équipe va s'offrir un petit cadeau de Noël rendu à ce moment-là. Ouais. fait que c'est ça. Puis je pense que ça c'est bon des rivalités parce que, tu sais, Rivière-du-Loup, Thetford Mines, dans le milieu des années, tu sais, 2014-2015, ils s'étaient pognés deux années de suite en série. C'était pas pire, ça montait. Mais depuis ce temps-là, il n'y a comme pas vraiment de rivalité. C'est deux clubs qui n'ont pas tant de rivalité. Ils ont joué en série l'année dernière contre. Je pense que Rivière-du-Loup s'en rappelle parce qu'ils jouent des bons matchs contre l'Assurantia jusqu'à présent. Fait que, tu sais, c'est peut-être une rivalité qui est en train de se créer là, qu'on n'avait pas nécessairement dans les dernières années. Fait que, moi, j'aime ça. C'est le fun, ça fait parler. De l'engouement. Yes, puis rapidement, là, si... Ouais, y a-tu d'autres matchs? On parlait-tu un petit peu des matchs là, qui ont eu lieu ce week-end? Ou vous vouliez parler des matchs plus à venir? Ou... Ben, pour ce week-end, c'est quand même un week-end très intéressant. On a déjà parlé, Sorel à Laval, ça va être un gros match, on va avoir une grosse foule. Après ça, on a la plus vieille rivalité de la Ligue, la première fois cette année qu'il joue à Thetford Mines. Donc, si Bobby voulait un match d'émotion au centre Mario Gosselin, il risque d'en avoir un vendredi. Ensuite de ça, Jonquière-Rivière-du-Loup, c'est aussi une belle petite rivalité. Donc, Jonquière à Rivière-du-Loup. Donc, un gros vendredi soir. Puis, samedi soir, là, un deux matchs, Rivière-du-Loup à Saint-Georges.
qui vont s'affronter. Mais là, Saint-Georges, on, je pense qu'on les a jinxés la semaine passée. Là, on en a trop parlé. Là. Ils ont perdu leur premier match à la maison la semaine dernière. Puis, ils vont vouloir rebondir. Puis ensuite de ça, un match intéressant. Première fois que les bâtisseurs de Montcalm affrontent les Marquis de leur histoire. Ça va être à Jonquière, donc un premier affrontement entre Danick Gauthier et son père, Daniel, qui est coach à Montcalm. Ça va être à surveiller. C'est sûr que c'est plate, il ne joue pas contre sa glace, là, mais ça risque d'être un peu bon. Entre la 2 et la 3, ouais. Le coach est échangé au Marquis. Ouais. Là, il va mettre l'équipement, jouer une période, puis là, il est réchangé à Montcalm à la fin de la game. Ouais. Le scénario dans ses comptes, là. Ouais, je vais changer comme une, deux périodes. Là, ça serait quand tu montes la game ensemble. À quelque part, Richard Tremblay prend des notes. Là. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'ils vont monter ensemble avant la game. Ouais. C'est ça que... possiblement, mais je pense que ça va être. ça va être spécial, je pense, parce que je pense que les deux vont avoir un certain enjeu pour essayer de monter ça d'un cran. Puis c'est sûr que Daniel doit avoir ça dans la chambre en disant, tu sais, il doit avoir il y a peut-être pas de l'argent sur le board, comme on dit, là, mais il doit sûrement avoir un petit incentive. Celui qui va faire le prochain souper sur le barbecue ou le souper de Noël. Au moins, c'est pas tu sais, c'est un petit peu plus tôt. Ils ont le temps de se réconcilier rendu au party des fêtes. Ouais. Fait que sinon, pour terminer, pour ceux qui sont toujours là, j'ai un petit quiz encore cette semaine. All right. Que si vous voulez participer, pour Seb et François, là, mettez les réponses dans le chat du podcast pour ne pas les donner. Mais j'essaie de temps de m'inspirer des invités qu'on a eus. Fait que je peux pas dire ma réponse à voix haute, il faut que je la dise. Ben, écris-la dans le chat du podcast, puis je te ferai un signe de tête. OK, bon. À noter que j'en ai plusieurs là, depuis quelques semaines. Là. Pas pour me vanter, là, mais... Ah ouais, une bonne moyenne, mais... C'était Yann Joseph la semaine passée. Fait que Jonathan Arbonne a gagné le trophée Kevin Lowe à son passage junior, je pense en 2013. Pour remis au meilleur défenseur défensif de la Ligue junior majeure du Québec, un trophée qui a déjà été remporté par des Chris Letang, David Savard, Morgan Ellis, avec qui Narbonne a remporté la Coupe Memorial. Donc, je voulais savoir, il y a deux joueurs présentement actifs dans la Ligue nord-américaine, des défenseurs évidemment, qui ont déjà remporté ce trophée-là. Donc, qui sont-ils? Et puis, juste pour donner peut-être un petit indice, là, c'est des joueurs qui ne seront pas fin trentaine parce que le trophée existe depuis 2005. Donc, c'est des joueurs qui sont quand même plus jeunes. Ouais, je dirais qu'ils ont en bas de 35 ans, maintenant. Ouais. Donc, c'est ça. Il y en a un, je sais que je l'avais. Donc, Stéphane Bellic qui dit Yann Sauvé. Non, pas Yann Sauvé. Sinon, il y en a deux qui ont deux anciens 3L qui ont déjà gagné le trophée, mais qui ne sont plus dans la ligue. Andrew Randazzo et Nathan Saunders qui avaient gagné ce trophée-là, qui ont déjà joué dans la ligue. Denis Arsenault qui dit Anthony Damour. Non, c'est pas Anthony Damour. Vraiment défenseur défensif. Hein? Ouais. Puis c'est, tu sais, quand on pense à ces joueurs-là, c'est des défenseurs défensifs. Ils sont peut-être moins un petit peu renommés, disons. Là. Mais c'est des bons défenseurs défensifs dans la ligue. Ça, c'est des choses d'habitude que je mets dans mes feuilles de prep, là, mais. Si je peux te donner un indice, tu devrais en mettre un dans ta feuille de prep vendredi. Ouais, j'ai envie de regarder, mais... Attends, je te l'ai dit, mes deux.
Tu m'as écrit où, Sam? Dans le chat privé. Ah, ok. On peut encore. Non, mais t'as les deux bonnes équipes. Des défenseurs, c'est défensif. C'est comme, je veux dire, un tes gars, c'est Gabriel Bilodeau. Il est plus reconnu comme étant offensif. Là. C'est vraiment défensif. Ben, c'est pas les défenseurs qui mettent des points, c'est pas beau. Parce que t'as dit que ça, quelqu'un que François allait mettre dans ses notes. Ah ouais, ouais. C'était ouais, quelqu'un de Sparrel. Fait que vite, vite, je me suis dit, ça doit pas être, mettons, Samuel Labrecque ou Danick Malouin. Ouais. Fait que, j'ai pensé vite, vite. Alan Caron et Max Ouimet, ici. J'allais dire Félix. Max Ouimet, là, mais... Félix Dallaire. Ouais, ben là, Félix, étais-tu sur Elite Prospect, Félix? Ouais, d'après moi, Félix, il a triché. Ça allait sur Elite Prospect, Félix? Ouais, d'après moi, Félix, il a triché. Ah, c'est ça, c'est la bonne réponse. Alors, Félix, Maxime Ouimet puis Alan Caron. Ah ouais, ah, c'est vrai que c'est des défenseurs défensifs, mais je pensais que c'est comme tu Félix, disais, il m'écrit, il dit non, il dit pas aller. T'es écrit en privé, il l'a pas écrit à nous, fait que ça compte pas. Il a triché. Félix triche. En plus, il ne dit même pas salut au début des émissions. Ouais, good job, Félix. C'est ça, c'était un petit peu plus difficile, je pense, cette semaine, mais... Ouais, je pense que je l'aurais pas trouvé. Ouais, c'était une bonne colle. Ouais, Jonathan Arbonne aussi qui a déjà gagné ce trophée-là. Ah, ça, tu disais Jonathan Arbonne en 2013, puis c'était quand même son année offensive. Fait que je me suis dit, ah, c'est peut-être des gars qui font un petit peu plus de points, peut-être comme Gabriel Bilodeau. Mais non, sinon, c'est vraiment des... Ben, c'est vrai aussi, j'ai dit que Chris Letang l'a gagné. Ça aussi, ça donne... Ouais, ça c'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont gagné. Que, c'est ça, c'est vraiment des gars plus défensifs. Ouais. All right. Good. On avait-tu finalement un invité surprise, là, ou... Ouais, ça... Je pense pas, hein? Je pense pas, non. Ça sera pour une autre fois. Ouais. Bon. Parfait. All right. Good. Sinon... Merci à tout le monde qui nous ont écoutés. C'est ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, vous êtes des vrais. Warriors, t'avais ouais. Ouais, des vrais, de vrais. 2h30 à... aujourd'hui. Ouais, merci à François qui est venu animer avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, les boys. Merci encore une fois de m'avoir reçu. Toujours le fun de jaser avec vous. Yes. Puis, dans le fond, la semaine prochaine, on va essayer d'en faire un aussi bon, sinon meilleur. Ben là, moi, la semaine prochaine, je suis pas là, par exemple. Je l'annonce aux gens qui sont présents, là, mais je vais être. Dans le fond, à l'abbé là, pour le tournoi de 18. Là. Que, okay. Je pense que je vais peut-être essayer d'aller voir la game là, à Jonquière samedi. Que... Ouais, ben je voulais. En tout cas, mais si tu le dis en nom, tu peux le dire en nom. Mais en tout cas, François, si t'es libre, j'allais probablement te le demander si tu voulais l'animer avec moi la semaine prochaine. Ben, on se jaserait de ça. Je vais regarder. On se jaserait de ça. On pourra regarder ça. On se parlera vendredi. Okay, on va se voir vendredi. À Laval, l'année où il on va s'en parler il va falloir que je monte 2-3 affaires au cas où. Ouais, c'est bon. Fait que merci encore une fois à tout le monde. Puis je te laisse le send-off. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Merci à nos deux invités, Dominique Talbot-Tassi, Jonathan Arbonne et François qui s'est joint à nous aujourd'hui comme animateur. Et merci à toi, Dave. Et on pourrait dire aussi, faites attention à vous au retour à la maison. En plus, c'est 10h30, les trottoirs commencent à être glacés. Faites attention. Ciao, ciao!